Dans la matinée, vous serez, enfin, dans, oui, si, dans la matinée, vous serez réveillé par une un délicat fumet qui viendra chatouiller vos naseaux. Après, techniquement, je suis toujours levé tôt, un peu vu que. Oui, mais là, plus tôt. Encore plus tôt que d'habitude. Je te rappelle qu'il y en a une qui dort pas du tout. Oui, c'est sûr. Ça sent quoi? Bah justement, attends, je cherche un petit déj végétarien. La banane flambée. Ouais, si, c'est vrai que ça peut très bien être des œufs. Mais stop! Mais genre, je veux juste voir mes trucs. Alors, faut pas cliquer sur la petite bulle. Ah. Faut cliquer sur. Sur quoi il faut... Oh non, oui, sur il la est héroïque au secours. Bref. Et je suis du le coup, gourdeau. Vous êtes réveillé par une très douce odeur de pain frais, tout droit sorti du four qu'il n'y a pas, mais bon. Enfin, comme s'il sortait du four. Avec quelques petits œufs par-ci par-là. Ça sent bon le bon petit déj. Ouais, oh, il mange pas le matin, moi. Mon perso, il sent l'odeur, il a le ventre qui grogne assez fort et fin. Du coup, je me lave. Elle est ridicule, fille, dans son petit lit. Fini dans le truc, c'est qu'en plus, c'est moi, j'ai pris le plus grand lit, je tiens à peine dessus, quoi. Regarde-moi ça! À peine assez grand. Bon, après, le token est petit, mais elle prend un poil de place, je dirais qu'elle prend. Tac. Du coup. Oui, pas de talent. Non, mais on tient sur l'oreiller. Du coup, je m'étire. Du coup, je m'étire. Ça sent bon. Et je commence à avancer en essayant de pas faire trop de bruit. Pour pas réveiller les autres. Alors, sachant que moi, ce que je m'attends plutôt, c'est genre en mode, j'essaye de poser les sabots doucement et en fait, ça fait pompe. Fais-moi un jet de discrétion avec ton lourdeau. Avec moins 15. Non, c'est moins 2. Non, moins 15 maintenant. Moins 2. Et la fumble. Tu traverses le plancher. Il le fallait. En essayant de marcher doucement, je fais BOUM! Je réveille tout le monde! Tu glisses et donc, tu pètes une armoire. Tu t'avances jusqu'ici, tu arrives à être silencieux jusqu'ici tout le long. Et sauf qu'à un moment, tu te retournes, genre c'est bon, j'ai réveillé personne. Et en te retournant, tu te cognes contre l'armoire, enfin le rangeoir d'armes, et tu renverses toutes les épées qui font un vacarme pas possible. Donc, Ember, Ulrich, Gold et Vulcan sont. Qu'est-ce qui se passe? Moi je fais. Pardon! Silverly! Bravo! Ce gif, elle est parfaite! Oui! Et moi, j'ai une image qui représente tellement le personnage de Golden qui est pas là! Je suis mort! Oh, mais le fumble qu'il faut, quoi! Je touche pas au reste des épées, je vérifie juste que les épées soient pas abîmées, enfin que les armes soient pas abîmées et tout. J'essaie pas de les ramasser. Désolé. Il est doué celui-là. Voilà. Bien, salut Silver. Bonjour Silice. Bien dormi? Oui. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Du pain, des œufs, je fais aussi un petit peu des. Enfin, je fais du pain perdu en fait.
du pain perdu. Du quoi? Du pain perdu. Ah, tu connais pas. Mais il est perdu, non, comment vous l'avez retrouvé? Oh là 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 là. Je sais pas ce que c'est. Bah c'est du pain qu'on trempe dans des œufs et avec un petit peu de sucre. Et de lait. Ah, moi juste du pain et du lait. Moi juste des pains et des œufs de l'un à côté de l'autre, ça va moi. Mais merci, c'est gentil. Vous connaissez pas en vrai? Bah si, je connaissais, mais perso non. J'avais un doute. Je sais ce que c'est, mais je déteste, j'aime pas ça moi. Ah, j'adore ça. Oh, il aime pas le pain perdu? Mais virez-le. Mon perso qui se met sur une chaise. Il a pas la place. C'est génial. Bah, elle prend. Enfin. Fizzle prend ses affaires. Se prépare et puis. Les deux rangent un petit peu les épées qui sont. Enfin, les armes qui sont restées par terre. Moi, je dors avec, donc. Pas de problème. J'aide aussi. Tu sais, ce coup-là, elle est passée, elle a enjambé toutes les épées. Et elle s'est cassée. Quel gros saut de chouin. Voilà, ça prendra 10 minutes, puis. Désolé, tout le monde. Voilà, c'est pas grave, dira Gold. Ah! Voilà. Là. Bonjour. Bonjour, désolé pour la maladresse. Il n'y a pas de mal. Eh ben, Ulrich, on a trouvé une remplaçante. Cette fois-ci, c'est pas toi qui cuisines. Ouais, on verra bien, c'est peut-être pas plus mal. Ça t'arrange bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hola. Ouf. Je vois les deux grands à côté de ce coup-là. Ils ne me sentent pas du tout en danger. Tout va très bien. En danger? Pourquoi? Mon perso qui comprend pas. C'était pour rire. Ah bon. Parce que je suis assise entre deux grandes montagnes. Et que je suis Rikiki. Qui est ta reine. Ah. Mais sérieusement, reine. Ça suffit. Arrêtez-vous. Calmez-vous. Utilisez tous le BAP. Envoyez-le dans le... Concentrez un peu. Pardon. Oui. Donc Silice, avec sa magie, fera volter les assiettes de chacun devant tout le monde. Ah. Juste, j'ai été déconnecté un coup. Ah, chier. Mais voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde. Merci. Mon perso mange. Moi, j'attends que les autres mangent. Moi, dès que j'ai mon assiette, je commence à manger. Il s'est installé qui mange. Perso qui engloutit tout en deux bouchées. Limite, il pourrait prendre l'assiette et la mettre dedans, prendre tout, ressortir. Faut pas déconner non plus. Mais il mange extrêmement vite, en mode « Ah, c'était bon !» Ah, ça a l'air de te plaire, Silver. J'en ai fait un petit peu d'érable, si tu veux. Mais faudra en laisser pour comment, déjà, le vieux je crois que c'est... C'est Monsieur Cutter. Woodcutter, d'accord. Mais je lui ai laissé une part aussi, bien au chaud. Non, mais une seule part suffira, merci. Moi, je vous regarde manger. Vous aimez pas ça? Enfin, tu t'aimes pas ça, ce coup-là, main? Ah si, mais il attend de voir si c'est pas empoisonné.
Mais quelle idée ? Quoi, quelle idée ? Mais elle rigole, hein. Donc j'attends. Moi je mange pas vite, je mange normal. Et bien sûr, Amber rajoutera, au moins vous êtes naturellement méfiante, c'est pas un mal. Si vous le dites. Moi du coup je. Après si ça vous prive chaque repas, si ça vous prive de tout vos... si vous privez de tous vos repas, j'arrive pas à la formuler. Chaud. Oui, si vous privez vous de. Avez peur, ouais. De manger chaud. Si vous privez de tous les repas chauds. Bon, c'est un peu dommage. Bah, il préfère manger froid que mourir. Elle marque un point, la petite. Ouais, c'est vrai. Bah, pourquoi ils nous empoisonneraient ? Et pourquoi pas ? On les connaît pas, hein ? Mon perso hausse les épaules en mode. Bah, s'ils avaient voulu nous faire quelque chose, ils l'auraient fait pendant qu'on dormait, non ? Bah, pas forcément. Bah, c'est compliqué, et puis... c'est compliqué le poison. Qui vous dit qu'elle a pas fait des choses quand on dormait, puisqu'elle dort pas, elle ? Bah, on est debout et il y a personne qui est mort. Mmh. Et le vieux, il se réveille pas. Bah, le grand-père, il est pas là, déjà. Il faut le laisser, c'est comme mon pépé, il faut qu'il dorme plus que nous. Bon, elle regarde mal Silice, hein, pour changer. Yes. Ça y est. Elle boudine un petit peu, puis... Le catfight. Ren, est-ce que tu pourrais relancer la musique, s'il te plaît, vu que tu restartes probablement. Et du coup, tout le monde a mangé, là ? Oui. Ouais. Moi, j'ai mangé. Bon, bah, je mange. Du coup, par contre, mon perso, il pose le sabot sur la table doucement, en mode, bon, ben, je sais pas quoi faire. Il dit rien, hein, il est juste en mode... Une fois qu'elle a fini de manger, Fizel, elle va ressortir le cristal la dernière fois et des notes. Silice regarde juste un petit peu Silver et prend des notes dans son carnet. Est-ce que je le remarque qu'elle me regarde ? Parce que moi, personnellement, je fais pas attention à quelque chose, juste j'attends parce que je sais pas quoi faire. C'est toi qui vois. Bah justement, est-ce que je fais un jet de perception parce si que... tu le souhaites, tu peux, mais c'est... elle le fait pas discrètement non plus. Hein. Oui, mais enfin, je regarde pas vraiment non plus, donc... Moi, par contre, je la regarde. Oh. Ok. Au moins, même si je voulais l'ignorer, c'est pas possible. Pourquoi vous prenez des notes ? Hein ? Non, je prends juste des notes comme quoi il faudrait peut-être que je fasse plus de nourriture pour vous. Vous avez l'air de manger vite et il faudrait que je trouve quelque chose pour essayer de faire durer un petit peu le repas pour que vous vous ennuyiez pas comme vous faites là. J'ai l'habitude de manger vite parce qu'il faut vite commencer le travail le matin à la forge. Donc bon, c'est pas une question de quantité, c'est plus... une habitude de travail. Ah, d'accord, je vois. Donc, du coup, il est en train de rayer des trucs dans son carnet. Il croit que t'as une touche, hein. Hein ? Une touche ? Je me retourne vers Skull en mode... Une touche ? C'est quoi, une touche ? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, tu l'apprendras tout seul, hein. Je suis pas là pour faire l'éducation sexuelle, hein. Ah non, mais vous méprenez... Enfin, tu te méprends, Skull, à mort. Mon perso, il est perplexe, il a rien compris. Hein. Mais il est con, lui. Il est pas con. Il est elle croit que je suis amoureuse de toi. Mon perso se met à rougir. En mode, quoi ? Je rougis. Quoi ? Winter 2, le retour. Le retour des oreilles rouges. Bah ça se voit pas, il est rouge. Non, il est brun. Chut.
Ça se verra moins que... Ça se verra moins que Winter. Oh non, le personnage d'animé qui ressemble à Winter. Arrêtez. Bon, on va tranquillement attendre que Wood sorte de son de sa torpeur. Et puis, donc c'est Amber qui prend la parole. Et puis on vous fera quelques petits exercices pour voir ce que vous valez. Alors rassurez-vous, on ne demande pas un niveau non plus très élevé. Disons que la plupart des missions qu'on risque, sur lesquelles on risque de se concentrer, du moins c'est notre objectif, c'est de pouvoir se... Oh, cela dit, j'en parlerai quand il y aura... quand Woodcutter sera levé, ça sera mieux. On évitera de répéter. Je hoche la tête. Je hoche la tête et je dis... Bon, je vais faire un tour autour de la... Autour de la guilde, juste pour voir les alentours, je m'écarte pas. Mais tu tiens pas en place, toi, en fait. Ah, si vous voulez, il y a une baignoire dans le coin de la dans le coin à l'extérieur. D'accord. Et en plus, merci, si vous voulez, super. Hein. Mais je sais, c'est juste que d'habitude, je suis déjà en train de forger. Oui, on n'est pas à la forge là, au cas où tu n'es pas remarqué, hein. Mon perso, il dit rien. Et Vulcan rigolera, elle est aimable, la petite. Oui. Avec un bon sourire. Oui, assez, on me le dit souvent. À tout à l'heure. Les deux se regardent et rigolent. Du coup, mon perso sort. Et je fais le tour. Mais il me voit pas. Il me voit plus. Est-ce que je me mets en salon privé ou pas? Bah non, pas nécessaire. Je vais me remplir une bouteille d'eau. Pas grand chose d'autre à foutre. Allez-y, très cher. Allez-y, très cher. Je vous en prie. Remplissez la mienne aussi pendant que vous y êtes. Tu veux pas remplir la mienne aussi? Et le qui aimerait que vous remplissiez la sienne aussi? N'est-ce pas? Ah, il va vous remplir d'une autre manière, a-t-il répondu? Super. Non, il faut laisser ça, Oscar. C'est exactement ça, ce que tu viens de dire. Ça, c'est mon boulot. Merde. Il a dit, je vais envoyer Oscar le faire. Honteux. C'est honteux. C'est honteux. Ouais. Il est parti prendre son bain. Juste sachez que Fizzle, elle a rien suivi de la conversation. Elle est concentrée sur ses cristaux, sur son cristal. D'ailleurs, elle a sorti le même cristal qu'avait foiré la dernière fois. Bon, elle l'active pas, mais elle regarde ses notes, elle revérifie le cristal. Silice qui fait un petit peu son. Et après, qui se penche un petit peu pour lire les notes, etc. Et regarde un petit peu ce que t'as lu. Enfin, ce que tu marques. Alors, t'as réussi à trouver ce qui allait pas ? Je suis encore un peu dessus, faudra que je fasse des tests. Ah, le Golden ! Il est là. Salut, Golden. Wesh. Et le Golden ! Le Golden ? Le Golden, il est goldé. Le Golden, il bug. Ri. Tout le monde fait ri. Ri. Ah oui, du ri. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Allô. Alil. Alil. J'ai entendu quelqu'un faire ri alors que j'avais pas le casque. C'était Ruru. Mais je veux pas Poucave, hein, mais c'était Ruru. Ça me rappelle à d'autres personnages, ça. Ouais, je vois pas de qui tu parles. Ah, du coup... Moi, vu que mon perso est à l'extérieur, je vais m'absenter 30 secondes et je reviens. Je compte. Tu peux dire, hein, je chronomètre pas tes moments de repas. Chut. Golden, ton personnage a dormi comme une masse ce matin. Incroyable. Mais
Il est resté endormi après un fumble en discrétion de Silver. Oh. Si tu veux, il y a un établi qui, un râtelier où il y a des armes qui sont rangées verticalement. Il les a fait renverser, ça a fait un boucan du diable et toi, bah tu... Bon, avec cette gosse, je pense qu'il est habitué à pire comme bruit. C'est ça. Tu vas pouvoir te réveiller, même description un petit peu que les autres, c'est une délicate odeur te chatouille les naseaux. De bon pain frais et des œufs. Un petit peu. Tu croirais sentir un petit peu de sucre dans tes naseaux. Ça te rappelle le bon pain perdu que pouvait te faire. Que tu as déjà pu goûter dans ton passé en lien avec ton background. Ouais. Connard! Ah bah t'as du vécu, hein. Mm. Ça discute un petit peu de l'autre côté, tu entends les petits blabla. Il va se lever après s'être retiré et avoir lu une nouvelle page. Ah, c'est vrai, il va falloir que tu ouvres ça. On était où ? Le 16 décembre. Ah, c'est une lettre la prochaine. Voilà. Rie. Nif. Tu devrais avoir honte, Ed. De quoi ? Après avoir lu ça, ben, il rejoindra le reste. Ah ! Voilà le meilleur. Qui dit ça ? Ça sera Vulcan qui dira ça. Ben, ah bonjour monsieur... Monsieur Wood, ou monsieur Cutter. Appelez-moi Wood. Wood, monsieur Wood. Je vous ai préparé une assiette, elle se trouve juste là-bas. Enfin, elle est sur le rebord encore au chaud, je veux dire. Ok. C'était pas empoisonné, il est vérifié. J'avais pas pensé à ça, mais merci. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Kia. Kia. Et bon où est le deuxième grand caillard ? Il est parti faire un tour. Bah, il ne tient pas en place où il a. Hein. Ah. Toujours à gesticulé là ? Gesticulé. Gesticulé, c'est-à-dire ? Bah, bouger. Bon, comme je l'ai annoncé un petit peu aux autres, nous allons aujourd'hui faire quelques exercices pour pouvoir juger un petit peu de vos capacités. Alors, pas d'inquiétude, le niveau demandé ne sera pas élevé. Bien. J'ai hâte de voir ça. Juste que je fasse quelques essais sur mes cristaux et je serai prête. Ah bien. Bien, je vais vous attendre dehors du coup et avec Ulrich et Vulcan.
Gold, je te laisse préparer quand même quelques potions pour en cas de grabuge. D'accord, ça marche. Prenez votre temps hein, pour ceux qui n'ont pas fini de petit déjeuner et vous avez accès au bain si jamais vous le souhaitez. Bien, merci beaucoup. Moi, je suis en train d'examiner la. Je suis en train d'examiner la charrette. J'examine la ferronnerie. Pourquoi tout le monde s'en va? Ah non, vous tombez bien. On attend juste un peu plus loin par là-bas pour commencer les évaluations. Ah. Vous viendrez quand vous serez prêt. J'ai changé l'eau aussi, tant qu'à faire. C'est très bien, merci. Bah, du coup, je les suis. Hein. Bon, et vous avez bien dormi? Oui, c'est... Le lit est confortable. Attends, je la fais. Le lit est confortable. Et toi, Gold? Oui. Toi, bien dormi? Ah oui. Oui. Mais pas toi, Golden, j'ai dit Gold. C'est obligé, au moins une fois. Quel emmerdeur. Oui, très bien, oui. Et vous, madame Sculamour, Sculamour, Calamour? Vous pouvez m'appeler Scula. Ça va. Et vous, madame Scula? Le lit est confortable, comme vous dites. Oui. C'est toujours mieux que la tente, hein? Mm-hmm. C'est pas faux, c'était compliqué les deux, trois fois où j'ai dormi dehors avec. J'ai pas l'habitude. Mais vous allez tenir le choc à votre âge? Ah, je suis encore en forme. Je suis pas sénile. J'ai pas dit ça. J'étais peut-être à la retraite, mais je vais m'entretenir encore physiquement. Je vais juste supprimer vos tokens, vous nous uploaderez, je vous laisse les reposer pour les remettre à jour. Et là, mon perso, il vous tiendrait avec la taille que vous faites? Bah, on verra bien. Non, t'imagines, d'un seul coup, il se met à parler mal sur la taille, sans raison. Ouais, s'en fout. Je m'en fous. Tu peux reposer ton perso, Gal. Je l'ai supprimé pour le mettre à jour. Ah. Pourquoi? Ah, pour avoir le... Représente vos blessures. Ouais. Je prends en compte que j'ai terminé de fignoler avec mon cristal, de fignoler, de regarder mes notes. Bah, moi je vais aller voir dehors du coup. Ouais, moi je peux. À tout de suite. Bah, bon débarras. Moi je vais aller faire quelques tests dehors. Faudrait pas qu'il se passe quelque chose de. Non, on va pas en parler. Moi je les regarde et je dis. Y a besoin de notre arme ou pas? Ah, on vous fournira des armes d'entraînement, vous en faites pas. Ah, d'accord. Selon votre demande. Bah, si vous avez une grande épée. Oh oui. Oui, Fizzle. Par rapport aux alentours, genre on est en plein milieu d'une sorte de prairie, c'est ça, ou on est C'est ça, ouais. La ville est pas très loin, à quelques centaines de mètres à peu près. Ok. Moi, je me mets à une dizaine de mètres devant la baraque et puis je vais tester, je vais retester mon cristal d'hier. Le même cristal. Et juste au cas où. Mais bon, on sait jamais. Donc je vais tenter de le réactiver.
Un cristal à nouveau. Je suis tenté de me transformer en. En chat. Maou. Ça marche! Ça allez. Marche. Le qui est un chat du coup. Ouais, bah ça dure. Ouais, ça dure pas longtemps. Ça dure 30 secondes. Après, mais, quand on n'est pas en combat, je peux autoriser le cinématique de ça dure un peu plus longtemps quoi. T'es pas dans un état de stress, donc ça peut le maintenir plus longtemps. Mais je vois que ça marche, je suis contente. J'ai compris pourquoi ça marchait pas. Et du coup, je me déplace, je fais quelques bonds. Je vérifie que tout est bien. Une fois que tout est bon, bah, je désactive le truc et puis je vais les rejoindre. Je range ce que j'ai sali. Ok. Je pense avoir trouvé pourquoi ça marchait pas. Yeah. Ah super. C'était les dés. C'était les dés. Gold, Gold chantonne si pose la question. Cool. Elle chantonne quoi? Elle chantonne. La digue du cul. Qui... La digue du cul. Revenons. C'est pas non, trop elle... son délire. Non, c'est pas. Non, mais elle chantonne un truc, un air mélodieux et doux à l'oreille. Je reviens un très court instant. Ok. Tu vois de l'aide? Après. Oh non, ça ira, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare juste quelques petites potions de. Ben. De soins, parce que ça pourrait très bien être utile après les entraînements. Au moins pour soulager les petites blessures qu'il pourrait y avoir. Tu pourrais m'apprendre? Oh oui, pourquoi pas? Bah, du coup, elle s'approche un peu. Donc, elle t'explique. Putain, c'est chiant, ça m'énerve. Elle t'explique avec un jargon bien à elle, mais elle t'explique aussi un petit peu que signifie ce jargon. Bah, tu vois la potion, le machin, tu mélanges l'herbe et tout. Elle t'explique convenablement tout en faisant ces machins. Ok, bah j'écoute. C'est assez spécial, mais sympathique. C'est pratique. Je devrais en avoir suffisamment au moins pour l'entraînement d'aujourd'hui. On n'a qu'à aller rejoindre les autres. On est obligé. Ben, c'est une évaluation, donc... Après, pas obligé de montrer ce que vous savez faire au corps à corps ou quoi. Montrez juste ce dont vous êtes capable. Mais si on est capable de rien... Oh, je suis sûr que vous êtes capable de quelque chose. Oui. Vous venez, monsieur Wood? Oui, je finissais de nettoyer mon assiette. Mais vous allez pas faire combattre le papy? Bah, il veut s'inscrire en tant que mercenaire, donc si. Et il avance tête haute. Le chien. Elle dit pas ça pour être méchante pour une fois. Oui, je sais. Il est vieux, mais il est pas... Oui. C'est bon, tout est prêt ici. Parfait. Mais, comme je suis vieux, j'aurai toujours l'excuse du « Ah, oh, mais comment t'as raté ? Oh, ma cataracte !» Cataracte... Mais où est-ce qu'il y a souhait tomber encore, moi ? Très bien. Du coup, vous allez nous montrer ce dont vous êtes capable, donc c'est Amber qui parle. Vous allez nous montrer ce dont vous êtes capable Enfin, comment vous êtes capable de vous défendre si jamais... disons que des attaques venaient à survenir. En tant que mercenaire, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voyageurs.
Bon, il est évident que si vous avez des armes à distance, arbalètes ou autres, vous vous entraînerez sur les cibles qu'il y a derrière moi. Mais sinon, vous pouvez vous pouvez y aller franco au corps à corps avec Vulcan. Et aussi vous entraîner sur votre magie sur lui si vous le souhaitez. Évitez quand même les sorts trop pouvant être trop mortels, ça serait dommage de nous l'abîmer plus que de raison, même si nous avons une très bonne soigneuse parmi nous. Définissez mortel. Éclair, attaque énergétique particulièrement puissante. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, les chats ? Alors, qui veut commencer ? On se croirait en classe. Qui veut répondre à la question ? La la la. Tout le monde regarde ailleurs. Bon. Silice qui est dans ses bouquins encore, elle est en train de lire 2-3 petits trucs. Bah, moi, je m'avance doucement en mode. Autant le. Ah, parfait, Silver. Approchez-vous. Et c'est un combat. Non, c'est pas un combat, c'est juste. Allez-y, attaquez-le de manière. Comme si votre vie en dépendait. C'est là, il le tue. Et voilà, Vulcan est mort. Il se met en mode défense quand même pour le tout. Ah, c'est pas mal. Pas de dommage. Ça ne le touche pas, hein. Il le part sans trop de problèmes. Mais pour l'instant, ils sont en train de te juger et commenter un petit peu tes techniques. C'est surtout Vulcan et Ulrich qui commenteront. Du coup, je refais un G. Oui, vous aurez qu'à en faire 3 fois. T'as le droit de faire les dégâts, là. Ah, mais non, t'as lancé les dégâts déjà. C'est du roll damage que t'as fait, en fait, sur les deux. Ah, bah non. Si, c'est les damage que t'as. Mais. Il fallait que je fasse combat, du coup. Non, en fait, c'est juste que tes actions sont directes en combat. Attends, je te les règle direct en attaque et dégâts. Ah, merde, désolé. Voilà. Donc, relance les deux, du coup. Bon. Ok. Allez. La deuxième. Ouah ! Mauvais. Et la dernière. Un peu moins bon, mais... Ça reste acceptable. Pas mal. Il y a de la technique, c'est pas si mal. Ils te donneront quelques petites astuces pour essayer de t'améliorer petit à petit. À l'avenir, enfin, quelques petites astuces. Alors, t'as fait plus que 3 échanges, hein, c'est juste pour le... Oui, c'est juste pour le sport. Pour le sport. Cinématique. Parfait. Vous pouvez vous reposer un petit peu et on va prendre quelqu'un d'autre. Par contre, c'est normal que j'ai un... Hein? Tu sais, l'image des... Quand tu passes ta souris juste au-dessus d'un jet, que ça te met les trucs, ça te met... Ah, c'est des choses qui arrivent. Et ça reste coincé. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Des bugs relevant. C'est quand tu mets ta souris sur un dé et que t'en relances un autre. Roll 20, please. Ouais. Du coup, je vais m'entraîner. Bah, du coup, c'est à moi. Sur les mannequins. Sur les mannequins. Allez, vas-y, fils. Bon. Du coup, je regarde Vulcan. Du coup, je dois faire comme si vous en vouliez à ma vie. C'est ça. Donnez tout ce que vous avez. Enfin, donne tout ce que t'as. D'accord. Rafale de vent dans sa gueule.
Le sort choc. C'est le sort de choc. Ouf. Faire un jet de vigueur, il me semble. Ouais, jet de vigueur. J'ai oublié de mettre les notes, pardon. C'est pas obligé. Il résiste, tu vois quand même que c'est. Il prend sur lui pour résister au mieux quand même, parce que c'est pas rien comme sort. Ah, c'est pas mal. C'est des énormes rafales de vent qui sont là pour repousser la personne. C'est bien le sort choc, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le sort choc. J'ai du mal à voir comment du vent arrive à peut réussir à sonner quelqu'un. Très fort. C'est des grosses lamelles. Imagine des grosses lamelles de vent qui viennent te frapper. Qui tournent autour de lui, ouais. Ouais, imagine des grosses lamelles de vent. Ok. Plutôt intéressant. S'il dit que... Oh ah. Ou s'il y a besoin de fuir. Pendant que vous êtes en train de faire ça, elle clique sur son amulette. Elle se change... chat, et elle se faufile et elle va se mettre à côté d'Ulrich. Il va te caresser. Quoi? Ça devient bizarre. Il s'est changé en chat. Oui, non, mais d'accord. Et puis elle ressort et elle se retransforme en un peu net. Note. Voilà. Alors après, bien sûr, enfin, je connais d'autres sorts, mais vous dites qu'on n'a pas le droit de les utiliser, donc. Mais sinon, vous c'est. Vous pouvez toujours vous entraîner sur les cibles derrière, si nécessaire. Ça avance et tire un éclair sur la cible. Roll damage. Mais. Tu sais quoi? Je vais relancer. C'est un peu mieux. Pas mal, pas mal. Voilà. Sinon, je regarde Amber. Sinon, autre que de pouvoir attaquer, je sais aussi. Je sais aussi détecter la magie. Détecter la magie et je m'approche d'elle. J'ai aussi créé ces petits cristaux, donc je lui montre les boucles d'oreilles. Ça s'attache, ça s'accroche aux oreilles et ça permet de transmettre les pensées d'une personne à une autre. Intéressant. Vous gardez un contact, une sorte de contact télépathique entre deux personnes. Ça peut être très intéressant et utile en mission. Incroyable. Dans tout le temps, Wood les regarde avec des grands yeux. Très bien, monsieur là. Wood, vous voulez nous montrer de quoi vous êtes capable? Alors. Et là, il nous goume Vulcan. Craquage de doigts, tu sais, craquage de sabots. C'est ça. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je me suis jamais battu, donc. Je vais essayer un peu de corps à corps ou de tir à distance. Je sais juste que je suis plutôt doué pour faire du soin ou remarquer les dangers alentour ou du bricolage. Ça peut toujours être utile. Mais du coup, t'as des armes sur toi ou pas en fait? Bah une dague. Sinon, on t'en fournit sinon des armes d'entraînement et pareil un arc ou une arbalète comme tu le sens. Je vais prendre une arbalète et j'ai la dague, donc
Là que j'ai pas noté, j'ai oublié. Donc du coup c'est avec vous. Bah, du coup je vais face à Vulcan. Ça me fait rire s'il le goom. Je clique sur l'arme. Ouais. C'est la D12 en combat, D12 plus 2 en combat. T'as fait les dégâts là. Ah bah j'ai cliqué sur le truc de l'arme. Ah oui, mais ouais. ils sont pas réglés en étant jet et dégâts. Ah oui, que dégâts. Bah, voilà. Voilà, là c'est fait. Oui, cul. N'était pas très gentil. J'ai été méchant. Se moquer de ses aînés. Mais c'est moi qui me moque, c'est pas ce coup-là. Mais c'est ce que je dis, tu te moques de ton aîné. T'es pas mon aîné. C'est pas mal, continuez. On a le droit de rêver. Ouf. Oh, pas si mal. Mais il part. Je rappelle, il est en défense. Ouais. Ouais. Attaque totale, non. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est moins bien, c'est de la merde. Bon, et du coup, voyons ce que vous avez, ce dont vous êtes capable à distance, du coup. Ok. Voyons voir. Déjà dû utiliser ça au moins pour faire partir les rapaces ou les Timberwolves. Et là, je vise Fizzle. Et voilà. Et voilà. Dans la cible. Ça marche. Dans la cible aussi. Non. À côté. On n'était pas loin d'un headshot. Bien, c'est pas trop mal. Je suis pas si vieux que ça. Très bien. Pendant que Wood commençait à faire son truc, je regarde Silis, je lui demande. Alors tu penses que j'ai fait comment? Que j'étais comment? C'était pas mal. Très intéressant. Ren? Oui. J'essaye de. Je fais un jet le plus fort possible pour essayer de péter le mannequin. Avec le fauchon ou le marteau? Avec le marteau. Oh putain! Genre, je m'entraîne et je fais pas attention quoi. En soi, t'as pas spécialement besoin de faire le jet de combat, mais fais-le quand même. Et tu prends le jet de dégâts, mais ils devront pas être relancés. Mais avec un plus de dû. Mais c'est vraiment en mode je m'entraîne et je casse le truc. Oh putain, qui nous aurait fait ça contre Vulcan? Vas-y, roll damage et on verra les jets, on fera en sorte qu'ils s'explosent pas. Plus de haut dommage? Ah, c'est plus de haut dégâts, ouais, vu que tu essaies de casser quelque chose avec le marteau. Merde, j'ai pas fait pas plus ouf. De. J'ai pas fait le plus de. Donc du coup 7, ça suffira pour bien amocher le mannequin. Il sera pas pété, mais au moins la tête sera partie. Pardon. J'ai pas fait exprès, oh là là. Oups, je tape de toutes mes forces, mais j'ai pas fait exprès. Mais... Le qui sale gosse. Je peux pas rester sérieux en voyant ça, putain. Du coup, mon perso fait « Ah, je pensais qu'ils étaient plus solides que ça, pardon. » C'est pas grave, ils sont faits pour ça. On l'a même un peu abîmé pour que tu puisses le casser et augmenter ta confiance en soi. Skoulabor, c'est à votre tour. Ah mais il aimait pas, moi, c'est contraire à mes pratiques. Mais vous savez quand même vous défendre un petit peu avec la magie.
Vous êtes bien capable de faire quelque chose. Très bien. Mais il voit pas pourquoi. Il nous avait montré ou pas sa corne qui est plus une corne. Je crois qu'il l'avait dit, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Je sais plus non plus. Je sais plus ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Je crois qu'il l'avait pas montré ou pas à tout le monde. Je sais plus. Montrer quoi encore? Que bah, sa cicatrice où il y avait sa corne avant. Ah oui. Non, je pense pas qu'il l'a montré à tout le monde. Je pense que mon perso dormait. Bon bah du coup ça ne va pas ce que je veux faire. Ok. Bon. Bah, elle s'approche. Elle active sa magie qui est rouge, c'est important de le préciser. Et puis... Hop. Je pensais que j'ai pas okay. pensé. Ok. Faut juste que je relise ça. Tu me fais penser que j'ai pas pensé à la couleur de Magic Fizzle. Je crois que j'avais... Si, je crois que je l'avais dit. Je sais plus exactement. Vulcan, un petit jet d'âme. Vulcan fumble. C'est pas un fumble. Est-ce qu'on fait un jet nous aussi? Fumble, il voit ce coup la mort et il rougit. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, donc, du coup. C'est où? Il y est pas? Putain, il y est pas sur le jet screen, t'es sérieux? Bon bah. Deux petites secondes. Oui. C'est MJ, voilà. Et ça connaît même pas les règles du livre par cœur. Bah écoute, je pensais que tu l'avais injecté dans ton sang. C'est moi qui dis ça, tu sais, alors que j'ouvre jamais le livre des règles. Alors, du coup, tu vas activer ta magie. Ouais. Et la lumière allumée. Il va se mettre à écarquiller d'un coup les yeux, à trembloter et à reculer doucement. Et finalement, se mettre à terre et mettre ses deux pattes sur sa tête, genre non, 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 arrêtez. Mais c'est d'ailleurs, qu'est-ce qui t'arrive? Gold qui se précipite. Vulcan, ça va? Il est tout tremblant. Mon perso qui se retourne en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Sculamor? Vous voulez qu'il y ait vos montres? Bah, si c'est pour finir comme lui, non. Du coup, elle arrête son sort. Hein. En soi, il est instantané, donc il s'arrête pas, il se machin. C'est juste que tu lui d'accord. as montré une image qui lui a fait peur à lui et ça a plutôt bien marché. Je lui ai montré sa mère. Oui. L'horreur a un visage. Voilà. Du coup, je reste curieux, mais il s'est passé quoi? C'était un sort? Oui. Ouais, c'est un sort. Amber qui a les yeux grands comme des ballons. Putain, elle a plié Vulcan. Fizzle qui chuchote à Silice. On l'embête pas.
Silice qui a des étoiles dans les yeux. Oh, faut que je lui demande. Oh putain, viens me demander, j'attends. Quoique... Non, je sais pas si elle aurait dit ça. Non, elle aurait pas dit ça après. Pardon. Il se relèvera doucement, corps tremblant. Il regarde un peu autour de lui quand même, Vulcan. Ça va. Ça va. Il déglutit. Et Gold qui te regarde, mais il sait qu'est-ce que vous lui avez fait? Il lui a fait peur. Oui. Waouh. Oui, ben. Et... J'ai jamais vu trembler comme ça. Désolé. Il a fait 19 sur son jet de terreur. Oh putain, le pauvre. Il a fait combien? C'est une phobie mineure que tu lui as mise. Mais j'ai mis une phobie mineure de moi. Dès qu'il va voir ma magie s'activer. C'est pas très gentil, j'ai envie de dire. Bah, on me demande ce que je sais faire et moi je montre ce que je sais faire. Hein. Vous en faites pas, c'était très bien, dira Humber. Ça va aller, Vulcan? Oui, ouais, ouais, ça va. Moi, en regardant vers Vulcan, je me remonte, eh ben, faut pas l'énerver. Je suis en train de me dire que si jamais t'avais réussi avec une prouesse, ça aurait été un plus 2. Du coup, il se serait chopé une phobie majeure. Oui. Et s'il avait fait 20, crise cardiaque, ouais. Tu nous l'aurais tué. Ouais, ouais, j'y ai pensé, je me suis dit, il va peut-être mourir. Quelle horreur. Donc, Gold embrassera Vulcan et retournera de côté. Eh bien, donc Ulrich et Humber se regardent, mais bah, faut vraiment pas l'embêter celle-là. Moi, mon perso qui est en mode. En mode. Bon, pas embêté. Vous savez faire autre chose? Des phobies majeures. Elle sort sa rapière, il est bien ça. Mais il l'utilise très peu. Bien, montrez-nous ce dont vous êtes capable avec ça. Vulcan qui était en mode, allez, c'est bon, je suis prêt, et puis, ah, bon. Putain, mais léger. Ah, c'est mauvais. Ah, ça, c'est un fumble. Ouais. Un fumble ? Non, ça, c'est ouais. Des dégâts. Ah non, c'est ça, c'est dégâts, les dégâts, ça. Oui. Je me disais aussi, c'était bizarre. Oh. Tu veux que je reroll les damage pour rigoler? Mais c'est tu un veux. Fumble. Mais c'est pas un non, fumble. C'est pas un fumble. Mais je me recule un peu pour laisser la School Armor l'accès au je au peux mannequin. Ou pas, du coup, relancer les oui, damage tu peux. Okay. Tu as le droit de relancer les dégâts avec un, oui, oui. Un béni. Elle va finir de détruire le mannequin, quoi. Mm. Je brame. Oui, en soi, le mannequin qui... Il va vraiment falloir qu'on mette des mannequins plus solides. Et Ulrich qui chuchoterait. Il faudrait peut-être aussi leur donner des armes d'entraînement plutôt que les laisser utiliser les leurs. Ouais. Et moi qui dis à Silice à son sort, ça m'aurait bien été pratique à l'université, à l'académie. C'était compliqué, l'académie, pour vous? Je suis curieux. Bah, là, on est un peu loin, mais oui, enfin... Ouais, je me déplace, du coup. Bah, déplace-toi. Oui, mais c'est juste que si on se déplaçait, je vais faire des gauche-droite. Je regarde tout le monde un peu faire. Tu demanderas, du coup, pourquoi, bah... C'était comment, l'Académie? Ça ressemble à quoi? Vous avez fait quoi? Une personne arrogante ou qui croit pas qui essaie de faire tomber les autres parce qu'ils comprennent pas leur tomber ou qui essaie de démoraliser. Ah, mais pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas ce que les autres ils comprennent pas les recherches des autres. J'ai compris, ils ne comprennent pas les chairs des autres. Excuse-moi, les recherches des autres. Ah, ok, les recherches. Du coup, si tu veux faire d'autres jets, ce coup-là, vas-y.
Non, elle a tapé une fois, elle attend de voir ce qu'on lui dit. Non, mais on lui dit c'est très bien, c'est très bien. Bah, range sa rapière. Si vous souhaitez. Ah, d'accord. Et du coup, Silice qui fait bon, je suis pas. C'est bien la première fois que j'utilise des sorts contre quelqu'un. Mais. J'ai très peu de sorts pour l'instant dans mes registres, mais ça. Je travaille là-dessus. J'ai tellement envie de lui lancer un sort à elle. Moi, je regarde Silice faire parce que. Elle lance un sort, elle se concentre un petit peu. J'ai pas sa couleur de magie, mais on va dire violet. Et. Tiens. Un jet de force. Par contre, parle plus près de ton micro, on t'entend pas. Oui, oui. Pour la 20e, millième, millième fois. Ah! Voilà, c'est mieux là. Vulcan tient le coup, en gros, Silice s'est concentré et a fait une grosse rafale de vent, pas de la même manière que Fizzle, où c'était des lames qui tournaient autour de. Enfin, des lames d'air qui tournaient autour de Vulcan. Là, c'est vraiment une grosse rafale qui fousse Roda, quoi. Hmm. Même si ma rafale, ouais, je la voyais plus comme des. Aussi un mini fousse Roda, mais avec des lames devant, tu vois, ça pousse. Ouais, sauf que là, en fait, si tu veux, c'est en gabarit de cône, ça fousse Roda. Hmm. Mais. Il y a les cheveux de Vulcan qui ont mais il a tenu, il s'est quand même bien accroché. Ah, il tient bien. Attends, on va refaire. Pousse. Roda. Ah, raté. Pousse. Elle dit pas fousse Roda, mais c'est pour la... Fousse Roda. Fousse Royeille. Fousse. Et là, cette fois-ci, Vulcan, qui n'était pas spécialement bien accroché, qui va partir. Et se retrouve un petit peu roulé-boulé un peu plus loin. Et Silice qui se retourne toute contente. Il se relève, bien sûr, le Vulcan. Waouh! Pas mal, pas mal. C'est pas mal tout ça, du coup. C'est très intéressant. Vous êtes tous capables de. Enfin, vous avez tous une bonne variété de compétences pour vous défendre. C'est tout ce qu'on demande pour l'instant. Juste une petite chose. Je deviens enragé si je suis blessé. Ah, c'est-à-dire ? Jamais entendu parler de ça. Demandez à Vulcan. J'aurais du mal à le décrire moi-même. Bon, c'est juste qu'il s'énerve facilement et qu'il est difficile à calmer une fois qu'on le titille un petit peu trop. Je me passe le sabot dans les cheveux. Ils sont encore humides d'ailleurs, vu que j'ai été me laver. Concernant nos ordres de mission, pour le moment, comme vous le savez, on vient tout juste d'ouvrir, donc on n'aura pas des missions grandiloquentes tout de suite. Mais sachez qu'on a comme objectif, en ouvrant cette organisation de mercenaires, c'est de pouvoir enquêter sur des disparitions de divers individus en tout genre, que l'État ne recherche plus, faute de preuves, faute de moyens. On s'occupera de tout ça. Au perso, il redresse la tête en mode... Comment ça, des disparitions? Je peux les aider tout de suite? Comment? Il faut les aider tout de suite, s'ils ont disparu. Oui, mais c'est juste qu'ils nous donneront des affaires dès qu'on les aura, et dès qu'ils auront... Enfin, quand ils n'auront plus aucune piste pour les retrouver. Ah, d'accord. D'accord. Donc voilà, je vais vous laisser vous entraîner un petit peu encore. Si vous en avez besoin, je vous laisse vaquer à vos occupations et...
Voilà. C'est tout ce que... C'est tout ce dont je voulais voir de vous, pour le moment. D'accord. D'accord. Vous enregistrerez dans le... Enfin, je vous inviterai à venir quand même au bureau pour vous enregistrer. En tant que... Enfin, si vous êtes toujours intéressé pour être mercenaire. Bien sûr. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Il a reculé d'un pas quand même quand t'es arrivé, genre... Tout va bien? Oui. Oui. Yes, oui, désolé. Et... C'est pas grave. J'ai été surpris, c'est tout. Ouais, c'est pour ça que vous reculez quand il avance. Elle avance d'un pas pour voir. Il recule un petit peu la tête, mais... mais c'est tout. En vrai, je sais ce qu'il a pu voir. Mmh. Il l'a vu, elle, posée. Sauf que... T'imagines que son masque, en fait, est devenu horrible. Genre la bouche qui devient gigantesque et qui se referme sur lui, tu vois. Ça me va, ouais. Non, parce que la phobie majeure, c'est sa mère. Hein. Oui, mais ce coup-là, elle sait pas qu'il a peur de sa mère, donc... Oui, non, mais... Phobie mineure... Le pauvre, je suis désolée, Vulcan, je t'aime. Maquillage de la muerte. De la muerte. Elle le regarde quand même un petit peu inquiète. Bah, du coup, moi, je mets mon marteau sur l'épaule et puis en le tenant comme ça, je commence à rentrer vers l'intérieur. Ok. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, oui, vous en faites pas. Regarde juste. Posons mon marteau là. Donc l'entraînement aura déjà duré une bonne partie de la matinée. Il sera presque midi quand vous aurez plus ou moins tous terminé. Du coup, je vois avec Amber pour me faire enregistrer personnellement de mon côté. Gold sera resté sur le côté pour voir s'il n'y a pas de bobos. Oui. Et... Il va se passer quelque chose. Mais attends, je voulais dire un truc, toi, pour peut-être approcher de Silice. Golden. Golden. Allô. Oui. 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 Non, je parlais en fait, mais le micro il était pas assez baissé, donc il s'était pas réactivé. D'accord. C'est-à-dire que je me rapprochais en fait pas pour lui parler à elle, mais juste parce que c'était pour suivre le groupe quand tout le monde commence à bouger. Okay. Et voir si Vulcan. Du coup, on n'a pas entendu. Bon, ah ben désolé Vulcan, j'ai envie de dire c'est un peu le karma. Ah, chier. Voilà. Donc du coup, il va se passer quelque chose d'assez inattendu pour tout le monde. Silice va rouler une pelle à Fizzle. Yes. Yes. Non. Déjà, la musique va se changer. Un dragon arrive. Oh, tout de suite un dragon. Et tout le monde meurt. Non. Non mais il se trouve que... Est-ce que j'aurais pu prendre mon bas en vent? Oui, oui, oui. Même pendant le bain, j'ai envie de dire. Très bien. On partage, évidemment. Il se trouve du coup que... Il se fait un peu plus sombre dehors. Petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? Et au début, on pourrait se dire, c'est bon, c'est quelques nuages qui couvrent le soleil, normal. Mais... En vérité, c'est la lune qui le couvre. Moi, je sors en voyant que le ciel s'assombrit. Qu'est-ce que c'est que ce varibole encore? Je demande, tout le monde commence à sortir. Pourquoi la lune est dehors? Pourquoi, d'habitude... Et quelle heure?
Il est à peine midi, normal. Il n'y a pas une éclipse aujourd'hui? Non, les éclipses, c'est pas des choses qui sont courantes, voire pas... Enfin, c'est pas courant chez nous aussi, mais c'est genre, ça n'arrive jamais, normalement. Bah, qu'est-ce qui se passe? Juste, je me mets à prier. Parce que c'est certainement un signe divin. Il va pas nous faire une éclipse à la Berserk, ce con. Tu crois? Moi, je pense que oui. Je sais pas, j'ai pas regardé Berserk. C'est un dommage, c'est ça? Non. Jusqu'à ce que la lune couvre totalement le soleil et qu'il fasse plutôt sombre, du coup. Pas de nuit, sombre. Je regarde Ulrich et Amber, je dis qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Je demande à Silice si elle a une idée de ce qui se passe. Aucune idée. Ça ne présage rien de bon. T'as pas vu ça dans la bibliothèque? Les éclipses, c'est pas commun. Les princesses dirigent le soleil la lune, le soleil le jour, la lune la nuit. C'est qu'un sens que ça arrive maintenant. Il doit se passer quelque chose, quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Amber, du côté de Silver et Wood, qui dirait mais les seules éclipses qu'on a connues à l'époque, c'était quand on avait un problème avec les veilleurs. Et encore, c'était juste pour simuler une nuit. Qu'est-ce qui se... On sait qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé? J'espère pas. Ren, je vais tenter de ressentir la magie, une détection d'arcane. Sur quoi? Sur la lune. Sur la lune. C'est un peu loin. C'est un peu loin, ouais. Tu... Ah, non, mais dans l'air. Je tente une détection d'arcane. Ça ne marchera pas. Tu dois viser quelque chose généralement. Je vise ce coup-là. Tente quand même. Mais je tente quand même. Je vais quand même caster le sort. The moon. Oui, the moon. Voilà. Félicitations, t'as perdu du mana pour. Oui, mais je le fais. Je m'inquiète un petit peu quand même, parce que bon, j'ai jamais vu d'éclipse. Et au bout d'à peu près 5 minutes, le soleil redescend. C'est-à-dire, il se couche? Il se couche. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Nightmare Moon. Je porte plainte pour attaque à mon RP et copyright. Alors, non. Je crois que je sais ce qui se passe. Oui, mais nous, en tant que joueurs, on sait exactement ce qui se passe. Non, ça se trouve, pas c'est exactement. Pas ça. Mais, non. Mais du coup, oui, moi, j'ai eu panique, mon perso. J'aurais jamais dû sortir de mon village. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Et il fait maintenant presque totalement noir, seule la lune éclaire le ciel. Moi, j'éclaire avec j'éclaire avec ma corne. Qu'est-ce que c'est que ça? Et rentre, je vais aller voir les autres. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Silice. Du coup, j'ai mis mon marteau devant moi, prêt à pouvoir le prendre et à frapper quelque chose si besoin. Mettre derrière lui. Je me mets entre les deux grands gaillards, ils font office de bouclier. Vous avez une idée de ce qui se passe? Aucune idée. Je sais pas. Et ça va être difficile de se renseigner tout de suite. À moins d'aller à Canterlot. C'est con, on y était il y a...
Il y a 3 jours. C'est ça, Rennes, ça nous a pété. Ouais, on y était il y a 3 jours. Écoutez, pour le moment, c'est vrai que ça semble assez inquiétant. Flambeur qui se retourne vers tout le monde. Ça semble assez inquiétant, effectivement, mais... Quoi ? Non, rien, on m'a appelé, mais finalement, non. D'accord. Ça semble assez inquiétant, mais pour le moment, ici, on ne peut pas faire grand-chose. On devrait attendre patiemment les nouvelles pour savoir ce qui se passe. Il n'y aurait pas des gardes, je sais pas, dans la ville à côté qui pourraient nous renseigner ? Si ça se passe à Canterlot, on aura les nouvelles d'ici quelques jours à peine. D'accord. Au moins 2 jours. Ça fait long pour avoir des nouvelles. Y a pas des moyens de transmettre des messages plus rapidement ? On n'a pas inventé le téléphone, ni le télégraphe. Pigeon, voyageur. Un petit mail. Les pigeons mettent du temps quand même. Je suis en train de travailler sur quelque chose, mais c'est pas encore disponible pour le grand public. Ah. C'est pas disponible pour cette époque surtout. Voilà, ça doit être ça. Non, je parle de mes oreillettes. Ouais. Bon, on va rentrer déjà. On va s'installer et surtout ne pas céder à la panique. Mon perso, il panique pas, mais il serre quand même un peu son marteau comme s'il était prêt à se défendre si besoin. Ah ouais, le mien, il panique. Ah, il panique visuellement, il est... C'est quoi ce délire ? Il sait que la luz de la muerte me protège, alors il est pas peur. Hein. Je m'approche de Woodcutter et je le tapote dans le dos. Alors, doucement, mais avec ma force, ça fait des pomf, pomf dans le dos, en mode, je bouffe. Oh, merci, en mode, tu m'as remis la colonne. En mode Hagrid qui donne une petite tape dans le dos de Harry et que Harry tombe par terre. Tu es tétraplégique, Harry. Pas à ce point-là, mais... Je dis, ça va aller, monsieur Wood. J'espère. Je le pousse légèrement vers l'intérieur. J'ai dit, allez, il vaut mieux rentrer plutôt que de s'inquiéter. C'est un peu comme mon pépé. Il me fait penser à mon pépé, moi, le Woodcutter. Du coup, je lui dis pas, mais il me fait penser un peu. Du coup, j'attends qu'il rentre avant de rentrer. Il veut bien se déplacer, parce qu'il bloque le chemin de tout le monde. Ouais. Non, je ne bloque pas le chemin, je suis tétanisé. Je te pousse légèrement vers le... pour te débloquer. Ah mon dieu. Moi, je dis à Sylvie, il faudra qu'on étudie ce phénomène. Oui. Ouais. Même si pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. Ouais. Mais du coup, je regarde Ulrich et je fais... Sinon, il y a des armes qui ont besoin d'être retouchées. Tant qu'à faire, en tant que je m'occupe. Bah, il y a bien celles que vous avez peut-être renversées tout à l'heure. Vous avez qu'à regarder si elles ont été abîmées ou pas. Oui, effectivement. J'aurais dû y penser. Et qui s'est enregistré déjà pour l'instant ? Moi. Ok. J'étais en train de finir de m'enregistrer quand la lune... s'élever. Bon. Pour les autres, si vous voulez rejoindre l'agence, on prend toujours les... Je vous demanderai de vous enregistrer, du coup. Est-ce qu'il y a des armes qui sont abîmées, Ren ? Tu les entretiendras juste. Ok. Pas besoin d'en redresser une, ni rien, comment ça va. Vous pensez qu'on aura qu'on devra mener l'enquête sur ce qui est en train de se passer? Je pense qu'on aura très rapidement des nouvelles. Hein. Des événements comme ça, ça va très vite circuler. Oui. Étant donné que l'entièreté du monde doit être prévenue de ce qui vient de se passer, de ce qui est en train de se passer. Bon, allez. Donc elle s'inscrit. Silice se sera inscrit également.
Wood et Skull. Skull est en train de se tâter en fait. Bah oui, moi aussi. Et Silly se plonge dans des bouquins silencieusement. Je vous préviens aussi par rapport à mes cristaux, c'est un peu comme la magie, des fois, enfin, c'est de la magie, ça, des fois, ça a des chances de pas marcher. J'essaie de réduire les chances, mais on n'est jamais à l'abri. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, en tout cas, je crois que je vais vous suivre parce que vous avez plus d'expérience que moi là-dedans, malgré mon âge avancé. La musique est angoissante. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Fizzle va sortir des carnets de notes, va sortir de quoi écrire et va aller dehors. Eh bien, un petit instant, Fizzle. Tu ouvriras effectivement la porte. Oh putain. Salut! C'est quoi ce visage humain? Oui, c'est le même artiste de. Oh non! Pas lui. Ah, bonjour! Ah. Oui? C'est bien une agence de mercenariat ici, non? Oui. Oui, oui. T'es pas là, Gals. L'autre y répond de loin. Là. T'es pas là, Gals. Si, je suis là. Non, tu te chutes! T'es à l'autre bout. T'es à l'autre bout en train d'entretenir des armes. Mais j'ai fini. Oui, mais ça fait du bruit. Mais t'as pas fini, t'as déjà vu toutes les armes à entretenir. Ah, il y en a trois. Il y en a plus que ça, mais... On peut pas en rajouter non plus. Ah, parfait. Qui gère le... C'est vous qui gérez le... Non, je me... November, je crois qu'on a un client. Fais-le rentrer. Je rentre. Bonjour. Hola. Ouais, mais il y a déjà du monde. Ce personnage, il est trop bien. Bon, c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est le moment de vous embêter un petit peu avec tout ce qui a l'air de se passer actuellement, mais. Enfin, c'est. Je comptais pas. Enfin, vraiment. Demander ce genre de service, mais disons que. Vu qu'il fait nuit... Monte ou la crache ta pilule. Oui, Est-ce que je l'entends crier? En fait, vu qu'il fait nuit, je j'aurais besoin d'une escorte, en fait, pour aller jusqu'à Canterlot. Oh. Ah. Oui, il n'y a pas de problème... Madame, j'avais un doute. Ah, j'aurais dit monsieur, moi, tu vois. Oui, j'ai eu un doute. Madame, merci. J'espère juste que cette nuit va pas durer, mais dans le doute, comme j'ai encore un peu de voyage à faire, j'aurais préféré... Bah, du coup, avoir une escorte, du coup. Oui, mais on a compris. Au plus tôt, du coup. Oui. Ça va de soi. Bah, écoutez, je m'entretiens avec mes hommes et vous avez qu'à... Gold, tu veux bien servir un thé à... Oui. À madame? Mais pas toi. Je l'ai dit tout bas. Il est chiant, putain. Je l'ai dit tout bas pour pas qu'on... Tais-toi. Oui. Oui, donc madame, à Flaming Pop, très bien. C'est une descendante de Lollipop ou pas?
C'est un nom que j'ai chopé au hasard sans réfléchir. Génétique, c'est beaucoup perdu. Elle a chopé sa gueule, bien sûr que c'est une descendante. Génétique, c'est beaucoup perdu en chemin. Ah bah oui, c'est une terrestre. Mais non, ça c'est pas possible. Les descendants de Lollipop sont tous des bad ponies. Voilà. Ils ont repeuplé. Bah, d'un autre côté, ça pourrait être le cas. Hein. Il y en avait déjà trois marmots et c'était tous les trois des bad ponies alors. Donc du coup, je te retourne un petit peu assis, elle te regarde, oh, bonjour. Voilà. Est-ce que j'ai entendu ce Scoularmor crier juste avant? Je crie pas, oui, je parle fort. Bah, il que t'as fait, mais clashez là. Toi, la clashez, ta pilule. Pardon. Je l'ai entendu ou pas? Oui, oui, oui. Bah, du coup, je passe la tête en mode, il se passe quelque chose? Non. Ah, Il y aura un petit coucou, bonjour. Bonjour, madame. Vous venez de vous inscrire? Ah non, c'est une demande d'escorte. Ah. Je suis client. Je suis cliente. Du coup, je pose les armes et puis je fais pas que sortir la tête. Je viens m'asseoir, parce que je suis curieux. Oui, ce coup-là. Moi, c'est bien, Yanti, votre histoire d'aider la veuve et l'orphelin, mais moi, ça va m'apporter quoi, moi? De l'argent. Mais y'en a rien à foutre de l'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il veut répandre la bonne parole de la Luz de la Muerte. Ça pourrait être une bonne manière de le faire. Oui, aider les gens, parler, faire du bouche à oreille, vous allez beaucoup voyager, donc... Moi, je suis curieux, donc vous pourrez m'en parler beaucoup aussi. Que je vois ici, c'est intéressant. J'ai pas bien tout compris, désolé. Mais comme vous allez beaucoup voyager et être en contact avec beaucoup de personnes, forcément que vous allez pouvoir parler et répandre votre bonne parole. D'accord. Et elle vient avec nous? Je vais voir déjà qui partira pour cette mission d'escorte. Mais je pense que, comme le plus grand des hasards, 4 personnes devra suffire. Parce que je vous avoue qu'elle me tape un petit peu sur le système. Hein. Non, mais je ne pense pas qu'elle viendra tout de suite. Je pense que je suis en train d'organiser un planning pour l'instant. Si tu veux t'inscrire, elle te tend un pot d'encre, une plume et un papier, c'est par ici. Bon, et si on veut partir, on peut quand on veut? Oui, on ne vous retient pas. Soit. On va signer de sa plus belle écriture. Contrairement à ce que certains ont dit, elle est allée à l'école. Voilà. La plus belle écriture, c'est-à-dire un gros pavé. Un vieux X. Non, vous savez pas écrire? Non, j'essaye d'être mystérieux. Je vais juste aux toilettes. Ok. La nuit. Na 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 na. La nuit. La 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 la. 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Elle. Et 3 nuits par semaine, mais mon Dieu, qu'elle voilà. Est belle. Je connais pas la suite, c'est bien. Allez, concerto. Ouais, c'est pas la même, ça. Contre tout guerrier. Ah non, le Bob Moran, c'est... Vu qu'il y avait, eu en plus un dessin animé quand j'étais gamin, c'est Bob Moran, j'adore. Vous savez ce qui est bien quand on est une fille? Quoi? C'est qu'on peut se secouer les seins et c'est rigolo. Voilà. Voilà, c'était l'anecdote du soir, ne me remerciez pas. Merci, Loupi. Si t'es américain, tu peux faire la même chose si t'es un mec. Oh, pas forcément américain. Hein. C'est honteux. Ouais, mais quand t'es un mec, tu peux aussi faire l'hélicovit. C'est vrai. Qui a déjà testé ici? Voilà. Faire l'hélico? Ouais. Déjà. Ça ne m'étonne pas de toi.
tu es enregistré au fait. Hein. Dis coucou à ma communauté. Oui, oui. Me revoilà. Re. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Du coup. Elle regarde un petit peu tout le monde, Amber. Ok. Silver, Skoulamore, Woodcutter et. Ah, elle est partie où l'autre? Allez me retrouver Fizzle, vous allez partir avec Flaming Pop. Bon, bah, du coup, moi je commence à. Je vais voir pour essayer de voir si elle est dehors. Très bien. Enfin, dès que madame aura réglé. Ah oui, 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 bien évidemment, bien évidemment. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je vais dehors, j'ouvre la porte. Tu vois Fizzle qui est, assis, enfin qui est assis en train de regarder le ciel et en train de noter. Miss Fizzle, comment tu dessines dans le noir? Je m'éclaire avec ma corne. Ah mais même moi j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Il faudrait que tu rentres. Vous rentriez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a sans doute un client. Ah, il y a vraiment besoin de moi? Je crois que oui. D'accord. On va bientôt partir apparemment. Bon. Tu rentres ou tu sors, faut se décider. Hein. Oula, c'est tout noir. Non. Oh, pardon, c'est la lune s'est éteinte. En fait, c'est bizarre que ça. Ouais, d'accord. Il y a un petit bug avec l'éclairage dynamique des fois. Et quand je le change sur une autre map, il se le change sur toutes jusqu'à ce que je revienne. C'est revenu ou pas? Non. Non. Bah attends. Ça va être tout noir. Ta gueule. Merci. C'est déjà tout noir. Oula, téléportation. Ouais. T'as fait une Undertaker, t'es derrière moi, les yeux révulsés. Ok. Je suis en train de parer. Donc du coup, ah voilà, Fizzle, vous allez partir avec Woodcutter, Skoulamore, Silverleaf, escorter notre cliente Flaming Pop jusqu'à Canterlot. D'accord. Je me débrouillerai ensuite là-bas, il faudrait que je retourne à marcher. Et j'aviserai sur le moment. Très bien. Ulrich, tu veux bien préparer quelques lanternes et quelques vivres pour tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Du coup, ça va se préparer. Du coup, On va vous préparer un petit paquetage. Et Flaming Pop vous attendra dehors, du coup. Et Ulrich vous aura posé sur la table vos rations. Merci. Je suis tellement content. Excusez-moi. Ça fait 40 minutes que j'essaye d'écraser un moustique devant le PC. Je me suis pété les doigts. Mais Moi j'ai pris mes armes, J'ajuste mon tablier de forgeron et puis je sors. Je prends
prends, le sac de rations, le sac de trucs, et puis... Merci. À plus tard, Fizzle. Ah, tu vas pas? Non. C'est votre chariot? À plus tard. Oui, c'est le mien. Est-ce que vous voulez que je le tire? Vous êtes escorte, pas transporteur. J'ai l'habitude de le tirer moi-même. Ne vous en faites pas. J'hausse les épaules en mode... Je suis plus solide que j'en ai l'air, hein. J'hausse les épaules en mode... C'est vous qui payez. Je suis un marchand de bœuf. Du coup, on doit vous amener jusqu'à Canterlot ? C'est ça. Escorté. Tu veux que je te porte tes affaires? Golden? Bien, non, ça ira, merci. Je me l'ai fait tout seul pour venir, je pourrais le faire là aussi. Comme tu veux. Il prendra ses rations. Eh bien, bonne soirée, maintenant, du coup. Eh ben, adios! Mais ne dites pas adieu, c'est comme si on n'allait jamais revenir. Alors bougez plus que je vous copie quand même. Mm-hmm. Juste une question, qui portera une lanterne? Moi. Que je vous copie. Qui va porter quoi? Une lanterne. Lanterne. On en a pas quatre? Enfin, nous en avons... Vous en avez une chacun en soi. En vrai, je pense que ce serait pas mal que Wood et Silver en aient une. Et ouais. Qu'on en mette une sur... et les deux autres sur la charrette, peut-être. Ça me semble une bonne idée. Flaming en a allumé une sur elle. Et les lanternes, on doit les porter ou... Ouais, en fait, elles se portent comme une sacoche, en fait. On les met autour du cou. C'est un peu autour du cou, sur le côté, oui. Comme dans Red Dead. Un peu comme Red Dead, effectivement. Ok, bah alors j'en porte une. Je suppose qu'ils nous ont donné assez de... Enfin, c'est des lanternes magiques ou il faut Non, les... faut les c'est à huile, des lampes à huile. Ah bah, d'accord, des lampes à huile. On nous a donné assez d'huile ou... Oui, t'inquiète. Et t'as dit quoi, Lopi? On va pas toutes les allumer, alors. Faut économiser. Ouais. Du coup, tu l'allumes ou pas, toi, du coup? Non. Moi, je peux... Tant qu'il n'y a pas besoin... Si, je vais l'allumer, moi. Silver, tu l'allumes ou pas? Bah oui, je l'allume. Faut bien qu'on puisse voir. Et Fizzle? Je vais... Étant donné que je vais encore prendre des notes sur le truc, faudrait que je puisse voir mes notes. Donc oui, je vais l'allumer. Tac, 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 tiens, puis prochaine. Et c'est là que du coup, les spectateurs, vous pourrez poser vos pions, enfin, vous pourrez poser un pion spectateur pour pouvoir voir, parce que vous ne serez pas lié aux joueurs. On est en haut à droite, tout le monde. Merci. C'est bon. Moi, j'avance légèrement en avant du chariot. Ouais. Histoire d'être un peu en avant-garde, quoi. En avant-garde. Ma aventure continue. Moi, je passe le début du voyage. Je sais pas quand est-ce qu'on en est du voyage, là. Vous avez à peine commencé. Je passe les 5... Les 15 premières minutes à documenter, à écrire sur tout ce que je peux observer sur tout ce qui vient de se passer en fait en termes de la lune, l'éclipse et tout ça. Une fois que j'ai fini d'écrire, je range tout ça et je me concentre. Rem, les spectateurs n'arrivent pas à poser les pions ou ça ne fait rien. Regarde. Ah oui, j'ai compris pourquoi. «
Voilà, vous devriez pouvoir le poser maintenant. Oui. Regardez ça! Qu'est-ce que c'est que ce truc dans la pénombre? Trop mignon. Et ils en posent plusieurs maintenant, vous allez voir des fantômes. C'est comme dans les jeux où tes coéquipiers ils sont morts et ils te hantent. Alors vous n'êtes pas obligé d'en poser plusieurs, les gars. Je vais mettre cet emoji, Ren. Putain, yes! T'aurais dû me permettre. Alors n'avance pas trop, Silver, s'il te plaît. Ouais, je reste suffisamment proche là pour les voir et être à. Là, je reste une dizaine de mètres en avant, juste de façon à ce que j'éclaire avant, tu vois, et puis que comme ça, on a suffisamment d'avance. Histoire d'avoir un bon rayon de vision autour du truc, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis partie, voilà, ouais, il me semblait bien que j'avais mis ce clic. Le rayon d'éclairage de Silver, de... Oui, mais pas plus loin que ce que les joueurs éclairent. Vous voyez pas autour. On voit rien. Voilà. Non, je vois juste que là, moi, c'est tout. Et après, il y a là. Bah oui, moi je vois les trucs des autres. Ouais, mais c'est okay. Bon, apparemment c'est bon. Alors. Du coup, pouvoir vous faire avancer. Petit. Sachant que je vais garder ce truc entre 5 et 10 mètres devant le chariot. De fruits. Vous êtes déjà allé à la ville de Rollers avec vos fruits? Jamais. Ouais. Voilà, il avance plus maintenant le Silver. Comme dans Predator, j'ai entendu. Ouais, l'asperge, tout avance ou pas? Il a fait comme dans Predator, j'ai entendu du bruit dans la forêt. Juste, stop. Non, le gars, soit il avance pas, soit il avance trop, tu sais. Je vais demander un jet de perception. Surtout à Silver, vu qu'il est assez proche. Plus, ouais, tout le monde. Tout le monde, ok. Tout le monde. J'espère que ça passe. Alors, vous entendez tous sans trop de problèmes des mouvements tout autour de vous. Des mouvements de branchages qui bougent, des pattes qui vous tournent autour. Je sors mon fauchon. Je dis, Eh papy, dans la calèche! Et pour? Bah, pour être protégé des Timberwolves. Ça l'a pris! Je sors l'arbalète. Le moment où la musique ne fait pas le bruit. C'est un bruit caractéristique, effectivement, de Timberwolf qui ont l'air de vous tourner autour. Saloperie. Bande de saloperies. J'ai eu Gabriel, vous n'aurez pas Flamin Pop. Ça vous a pas suffi. Gabriel, en plus, c'est exactement la même map. Salaud. Alors la musique, elle a changé. À la musica. Alors, attribution... Oh! Je joue encore en dernière. Ah non, ça va. Du coup, j'ai le droit à un autre Joker, à un autre Benny? Ah oui, c'est vrai. Un Benny? Un Benny. Benny. Plus de dégâts pour taper? Où sont les méchants? Ah bah, tu ne les vois pas, mais tu les entends autour. Et je me.
Je vais retenir mon action pour le moment où ils vont arriver. Très bien. Je me prépare à les recevoir, par contre. Avec un joker, tu pourras interrompre sans avoir à faire de jet d'interruption, donc c'est... Oui. Woodcutter. Eh bien, j'essaye de me faire comme elle m'a dit, c'est pas une mauvaise idée de monter dans le... la calèche et d'armer mon arbalète. Ok. Vous mourrez pas donc, comme ça. Donc du coup, tu vas recharger ton arbalète. Voilà. Elle a chargé techniquement. Je retiens mon tour. Oui, oui. Ok, tu retiens ton tour. C'est au tour des loulous. Les salauds. On a récupéré nos pépés ou pas? Ah oui, 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 oui. Papy dans la crèche. Wouf. Bouf, ouf. Alors du coup, moi s'ils s'approchent de moi, est-ce que je peux les attaquer du coup, vu que j'ai retenu mon action? Tu peux effectivement faire l'interruption, donc agir. Ok. Du coup, je vais frapper le plus proche. Mais ils sont tous arrivés là, les chiens là? Pas encore. Il y en a d'autres qui arrivent de ce côté-là. Ah. Du coup, je vais frapper celui-là. Hop. Avec le fauchon, vu que je l'ai sorti. Est-ce que j'ai un plus 2? Tu as le plus 2 du joker, mais comme tu as deux tailles de plus que lui, tu as moins 2 aussi. À noter. Ah, donc j'ai pas de bonus. Je suis à plus 2, moins 2, quoi. Donc je mets pas de modif, quoi. What? Pourquoi j'ai 0? Ça fait 2 et 1. Ouais, hein, c'est un bug, c'est un bug d'affichage des fois. Ça fait 5, mais... What? Oui, non, c'est un bug d'affichage, relance-le comme ça. Je le relance comme ça? Bon, on peut voir le résultat en passant la souris dessus. Oui, c'est chiant, relance-le. Donc, tu touches le loulou. Roll the damage? Roll damage. Est-ce que j'ai un plus 2? Plus 2 aux dégâts, ouais. Die! Donc. Non, là ça fait. Là ça fait choc. Ça fait. Ça fait du petit bois. Du petit bois pour le feu! Bon, je sais pour la pépé. Je peux pas attaquer le deuxième de toute façon, mais. Hop. Oula! Hop. Oula! Non! Flaming! Non! Hop! Et hop, ok. Non, on va faire les attaques. Je peux jouer, moi? Tu peux. Comme tu vas devoir faire un jet d'athlétisme contre le leur pour savoir qui jouera en premier si tu veux interrompre. Je pense qu'elle interrompt. Oh, attends. Je pense que tu joues. Oui, elle interrompt. Elle interrompt, mais c'est... ils ont fait 14 quand même. Très bien. Alors. Ceci est un grand gabarit. Okay. Tu sais comment fonctionnent les modificateurs, tout le bordel? Non, mais tu vas m'expliquer. Parce que okay. J'aimerais faire une terreur sur tout le monde, sauf mes alliés. Ok, donc tu as utilisé le grand gabarit. Il me semble que tu as le modificateur de marqué okay. Normalement quelque part. Peut-être que. Sur le sort. Je vais voir si un moyen suffit. Ouais, non. Que le moyen il coûte moins cher. Ouais, mais. Elle est en danger, elle, donc. Et puis moi aussi. Non, bah je vais prendre le grand. Ok, pas donc ton sort terreur, du coup, pour le tuto, il coûte 2. Le grand gabarit il coûtera 3 de plus, donc ça fera 5. Ouais. Et si tu veux toucher que les ennemis et pas les alliés, tu as un modificateur de sélection qui coûte 1 de plus, et ça touchera que les ennemis. Ok, ben on va faire ça. Ou ça te coûte 6. Ouais, ça me coûte 6. Ça te coûtera 6 pp. Cher. Ça coûte cher, mais si ça marche, ça vaut le coup. Ouais. Tu vas leur faire pleurer leur mère. Tu leur fais pleurer leur mère. Ok, donc je vais tous devoir... Caille.
je dois tous leur faire normalement. Attends, je lis quand même la terreur au cas où. En cas d'échec, un extra est paniqué. Ouais, donc, ouais. Donc, il faut que je lui fasse, faut que je leur fasse leur jet de terreur. Il y en a combien? 1, 2, 5. Il y en a 5. Je crois que je vais faire, bon, je vais faire comme ça. C'est 5D. Putain, mon siège. Allez à la niche, Tito! Sachant qu'en plus, ils ont moins 2. Bah, bah, ok. Le chat! Mais je veux pas un screen! Il appuie sur mon clavier, ce con. Oh, mon chat! Yes. Ok, donc en fait, du coup, ça passe. Nous sommes des chutes! Oui. Les Timberwolves qui arrivaient chargés vers vous, tu as lancé ton sort, ils sont freinés d'un coup, ça fait une petite trace sur le sol et ils ont fait demi-tour! et moi, je fais. Allez à la niche! Ceux-là sont en fuite. Il reste quand même les deux qui sont sur Silver. Mm. Je vais devoir faire leur jet. Alors c'est... Ah non, c'est ça comme dès qu'ils ont. Combien de parades, Silver? Attends, je regarde. 47. Non. 72. J'en suis 6. Ok, il y en a qu'un seul qui va te toucher. Après, avec mon arme fétiche, j'ai pas un bonus. Non, il est pas marqué. Normalement, il te touche quand même, mais... Parce que je sais plus combien il me donne mon... ton arme fétiche, te donne plus 1 en parade. Et est-ce qu'il est marqué? Il n'est pas marqué. Mais il te touche quand même. Ben, je devrais avoir 7, donc je mets 1. Il te touche quand même. Ah, s'il me fait une blessure, ça, il va y avoir des dégâts. Il te fait 6 de dégâts. Et ça fait combien de blessures? Bah, ça dépend de ta résistance. C'est à toi de me le dire. Ça te secoue. Ce qui normalement proc ton enragé. Je suis pas certain. Il me semble qu'enragé ça proc aussi sur la secoue. Il me semble que oui. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais pris, parce que je me suis dit. Si même sur secoué, ça va faire mal. Ah ouais. Blessure ou est secoué. Tu vas devoir faire un jet d'intellect du coup. Et le réussir, sinon à Graou. Ah bah écoute, je m'en fous de pas le réussir. Il est réussi. Sérieusement, je veux devenir enragé et je le deviens pas. C'est pas drôle. Après, je crois que tu peux décider de l'être. Il peut choisir volontairement de faire un échec sur ce jet. Je fais un échec, hein. Je vais péter un câble contre les Timberwolves, hein. Ok. Fin de leur tour, c'est Fizzle. À mon tour. Bah écoute, je vois les loups qui sont en train d'attaquer. Silver. Je tire sur un de ces loups. Non. Oui, je lui tirer dessus. Je relance. Ça touche. Sachant qu'il y a une différence de taille quand même moins 1, mais bon, j'avais oublié de le préciser. Je suppose que tu tires sur celui-là. Ouais, sur celui-là. C'est celui-là qui le mord en plus. Donc les dégâts. Et paf, 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 le loup. Voilà. Alors, mélanger. Un bel éclair violet. Woodcutter. Donc, pour rappel, tous ceux-là sont en train de fuir, et il n'y a que celui-là qui est encore en train d'attaquer Silver. Ouvre les deux yeux. Limite, il est en train de regarder autour de lui. Mais les gars, je lui tire dessus avec l'arbalète. Sachant que moi, je suis en train de le regarder avec des yeux enragés, tu vois, en mode... C'est une distance courte. Tire d'arbalète. Attends, parce que y a, selon la position que tu as... Cela dit que t'es un peu en hauteur. Oui, justement, c'est pour ça que je me permets. T'as quand même moins 1 par rapport à sa taille. Ah. Et oui, je veux pas faire un truc de couvert, mais là ça rate. Ben, je relance.
faut que je clique. Raté. Est-ce que je relance encore? Non. Non. Garde tes bénis, on sait jamais au cas où les mecs ils décident de revenir. Ouais. Cool hein. Eh ben... Let's go, hein. Ah, c'est mauvais. Ok. Tu peux relancer? Tu peux. C'est pas un fumble, donc ça va. Ne borde pas la poisse, toi. Non, j'ai oublié de d'enlever mon... Ça va. On va... En fait, c'est bon, toute la campagne, on sait ce que ça va être. Des ennemis okay. Approchent. Ce coup-là, dégagez. Ah, merde. Là, en fait, pour citer l'action, le Timberwolf s'apprêtait à donner un coup de croc à Silver. Il te regarde un petit peu et puis... Ah bah non. Il fuira à son tour. En fait, non. Je pense que quand elle fait ses jets de terreur, en plus, elle crie. Donc vous la voyez juste crier, c'est ridicule. Mais eux, ils voient autre chose. Moi, je l'imagine parler comme une dita. Le sang de tes morts. Le sang de tes morts, vous allez manger. Qu'est-ce que Fizel va faire? Fizel va surveiller, va avoir que ça s'occupe de leur côté, mais elle va protéger l'arrière. Elle surveille qu'il n'y en ait pas d'autres qui approchent. Ok. Donc les Timberwolf, tout le reste vont juste fuir. Mais celui qui est au cac à Silver, bah, il va fuir, mais il a une attaque de... Enfin, tu as une attaque d'opportunité, Silver. Ah bah oui, mon perso, là, il est en train de crier. Bah, il va se calmer, ce coup-là. Du coup, je fais attaque plus dommage, de toute façon. Sachant que t'es obligé de faire une attaque totale. Ils sont forcément en total, ouais. Total, c'est-à-dire je rajoute quoi comme modificateur? Plus 2 au toucher, plus 2 au dégâts, mais comme tu as moins 2 pour les toucher vu qu'ils sont petits. Par ouais, bah c'était 0. C'est comme si t'avais un Joker. Putain, mais encore bugué. Je le relance. Vas-y, relance-le, c'est bugué. Ça touche. Allez. Tchac, tchac, tchac. Plus 2 au dommage. Eh oui. Tchac, tchac, tchac. Donc, a pu. Il est allé pour fuir et poum. Sachant que mon perso est toujours enragé. C'est ça le truc, donc le combat n'est pas terminé du coup. Ah. Justement, c'est ton tour, Silver. Je fais un jet d'intellect du coup. Ouais, et il me semble qu'il est à moins 2. Regarde. C'est possible, je crois que oui. Sans maîtrise... Non. Et il peut également choisir de se calmer en réussissant un jet d'intellect à moins 2. Action gratuite, la fatigue est évitée, etc. Donc oui, tu fais un jet d'intellect à moins 2 pour te calmer. Il réussit. Il y a le moins 2 ou pas? Il y a le moins 2. Je frissonne, du coup. Tout le monde va bien? Flaming qui a un petit peu les yeux genre oh. Et puis elle reprend sa route. Je suis un champ de fruits. Je prends mon... Et du coup ils sont ceux que j'ai tapés, ils sont tranchés du coup. Ah ouais. Ils sont C'était quoi ce... Ils sont forcément morts du coup. Oui oui oui. Je récupère des morceaux, vu que c'est des morceaux de bois, je récupère des morceaux de bois pour en faire des poignées après pour des armes. Un jour, il va prendre un morceau de Timberwolf qui va se régénérer tout seul, l'épée elle va marcher, oui voilà. Non, non, ouais, oh, c'est l'idée. Je prends un morceau de chacun des deux que j'ai coupé. C'est l'épée de mort quand tu la prends. Vous allez bien, mademoiselle Fleming? Ouais. J'ai bien fait de demander une escorte. Ouais, désolé, j'ai pas fait grand-chose comparé aux autres. Mais si, c'était très bien. Je peux aller récupérer... Est-ce que tu veux bien me rendre le carreau que j'ai raté, Silver? Ouais. Du coup, après avoir ramassé... Lance le D6 pour savoir l'état du carreau. Qui, moi? Ouais.
Cacheur D6. Tu ne le récupéreras pas. Il est écrasé. Je le ramène, du coup, je dis, je pourrais vous refaire une lampe si besoin. Merci. Et bon, quand on reviendra à un endroit où on peut, parce que là, c'est pas idéal. Peut-être quand on se fera un camp. Bah oui. Du coup, je garde juste les têtes et l'empennage. Ok. Il faut quand même rester sur ton regard. Quand tu révis, tu fais les cartes. Finalement, je vais rester dans la charrette. Ainsi, si je le dis, hein, je pense que je vais rester dans la charrette. Ainsi, si jamais il y a des trucs qui viennent, ben, je réussis à pouvoir nous protéger. Ça me stresse parce qu'elle est pas bien entre les deux trucs. Oh là là. Là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je suis une marchande de fruits. J'ai pas encore écrit la suite. Mais un jour, je vais la travailler. Ça sera une vraie chanson. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'elle chante au moins? Moi, j'attends qu'ils arrivent. Ça va. Elle chante plutôt pas mal. C'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. C'est pas une chanteuse, mais elle a une belle voix. Moi, je vais chanter avec elle. La, 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 et toi, est-ce que tu chantes bien? Bah ouais. Performance! Bah c'est fait. Ah bah oui. Vous avez une très jolie voix, madame. Merci, vous aussi. Merci. En attendant, mais Silver, lui, il fredonne une chanson de forgeron. Mais il chante pas, il fait juste... Diggy, diggy, all. Bon, ce temps-là, le vieux, il chante une chanson de vieux. C'est ça, on fait tous une chanson à thème. Non, rien derrière. Moi, je chante sa chanson, hein. Bah, moi, Poli, moi. Moi, je fredonne, je chante pas. Je chante pas, moi, je fais... Moi, je chante pas. Ça fait longtemps que vous êtes mercenaire? C'est ma première fois. Moi aussi. Depuis hier, techniquement. Non, on a saigné juste avant que vous arriviez. Ouais, mais... Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et vous faisiez quoi avant? Rien. Rien du tout, avec votre âge? À votre âge? Bah, retraité. Ah oui. Mais vous faisiez bien quelque chose avant la retraite. Charpentier. Ah, intéressant. Au moins, c'est super. Si jamais j'ai un problème avec ma charrette. Si jamais vous voulez me remonter ma charpente. Pardon. Au moins, tu devinais la phrase qu'il a fait pour draguer sa femme la première fois. Oh mon Dieu. Du calme, Loupi. Mais quoi? Tant pis. Oh my god. Oh my god. Du coup, il y aura cette soirée sera passée. Voilà. Oh. Je suppose que tu voudras lire un petit peu ton journal. Oui. Mais à jour. Un journal. Et je dois mettre à jour un journal pour Mosque. Voilà. La nuit se passera bien. Je vous laisse. Je vous fais pas vous organiser vos tours de garde. Je suppose que vous le faites. Mais il y aura pas d'embrouille. Enfin, la nuit. La nuit sans lune. Car la lune, en gros, aura bougé de la même manière que le soleil. Moi, je documente. Hein, je documente ce qui est en train de se passer. Je documente ce qu'il y a et... Et je continue à bosser sur mes cristaux.
LOL. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai lu la suite. Ah. Disons qu'il y a des gens qui apparaissent dedans. Qui ça? Je sais pas, t'as qu'à lire. Ah, mais elle peut pas lire. Ah oui, c'est... Non, mais il va demander à un moment, ça vous dit quelque chose sur ces histoires de gardiens, un zèbre et un bad body? Ils font des trucs dégueux. Parce que c'est écrit comme ça. Je peux faire un jet de culture G? Pareil pour moi. Alors oui, je vous le demande à moins 2 parce qu'il l'a pas bien mentionné. Ouais, voilà. Voire moins 4 parce que c'est très très résumé. Allez! La relance, t'as 4 bénis. Hein. Bah non, mais 3 c'est bien ou pas? Ça a suffi ou pas? Non, faire 4. C'est 4. Ah! Eh bien, je relance un béni. Voilà. J'ai mis un béni quelque part, je sais pas où il est. Oui, t'inquiète, je l'ai vu. Je l'ai su. Moi, je lance pas de G, j'estime qu'elle le sait pas. Et qu'elle s'en fout, surtout. Ah, cette fois, c'est pas... Allez, un deuxième. Je... Oh, c'est pas... 2-2 et 2-2. Il a dit moins 4. Ah oui, si, c'est à moins 4. C'est à moins 4. Ah, ah. Oui. Bon, bah... Ouais, ouais, c'est pas la peine. Dommage. Moi, je vais garder mon dernier béni. Moi, mes deux derniers bénis, je les garde, ouais. Ok. Donc, la soirée sera passée. Vous aurez continué la route plus loin. Et... Je vais mettre quelque chose sur la map que vous pourrez voir sans trop de problèmes. Ouais, sinon j'aurais demandé. Vous avez autre chose sur ce zèbre ou ce Batman? Parce que, enfin, là de tête j'ai. Peut-être j'ai rien, mais enfin, si vous avez pas plus de descriptions, moi je peux. Bah, c'est juste que ça racontait des histoires des gardiens d'il y a 100 ans, un peu comme nous ont raconté les deux autres. Qui nous ont engagés. Mm-hmm. Ah, encore ces fariboles. Oui, enfin... Mm-hmm. J'ai pas vraiment plus de précisions. Je connais des histoires, mais pas si bien que ça, et disons que... Je les racontais un peu différemment. Et c'est quoi que vous lisez? C'est personnel. Hum mm-hmm. Non, mais vraiment. Non, j'insiste pas. Du coup, vous avez repris la route le lendemain. D'ailleurs, j'ai oublié de faire passer le jour suivant de la naissance. Normalement, sur la map, vous pouvez voir sans trop de problème qu'une lumière s'approche de vous sur le champ. Une lumière, non, ne va pas au bout du tunnel. Je plante mon fauchon en terre en mode on ne passe pas. Tu vois que c'est des gardes. Pas obligé de menacer tous les gens que tu croises. Je menace pas, je plante juste le fauchon en terre en mode. Menace. Non, pas menace, en mode je protège. C'est pas la même chose de menacer, je suis pas en train de faire grrrr. Bah, tu peux juste les regarder. Tu sais, moi je suis garde, je vois quelqu'un qui. On s'approche juste pour lui dire bonjour, il plante son fauchon au sol. Moi j'ai l'impression qu'il me menace. Il est planté avant qu'il soit à portée de vue, vraiment, je vois juste la lumière. Ah, ok. On a regagné combien de PP? Vous aurez tout regagné avec le temps. Okay. En gros, tu regagnes 5 PP par heure si tu veux savoir. Et c'est des gardes de quoi? C'est des gardes lunaires déjà. Rien qu'à la... Les gardes de la nuit, attention. Le pirate. Bah du coup, je fais un salut du sabot et je leur dis bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Escorte. Bah, c'est des marrants, nous aussi. Très bien. Ils vont, selon leur protocole, ils vont se mettre sur le côté et vous laisser passer en vous surveillant.
prêts quand même à sortir leurs armes au cas où. Bah du coup je range mon fauchon, je range mon fauchon et puis j'avance en leur faisant un signe en hochant la tête en mode merci de me laisser passer quoi. Avancez. Ouais. Je suis une marchande de vieux. Et vous venez d'où? De Canterlot. Et il se passe quoi là-bas? Ah oui, tiens, c'est vrai. Le petit Pégase derrière qui arrive. Il a l'air très jeune quand même. Il se passe qu'il y a eu un conflit entre les deux princesses. Pourquoi? On ne le sait pas, elles sont... Elles se sont battues toutes les deux et il se trouve que c'est Luna qui a gagné, mais Celestia a fui du coup le combat. On ne sait pas exactement où elle est passée. Pardon. Et il faut savoir que selon les témoignages de la princesse Radiant Rose qui est actuellement au pouvoir du coup. Les deux princesses sont métamorphosées étrangement. Oh non. Yes, on va avoir droit à Daybreaker en plus de Nightmare Moon. Waouh, quelle chance. D'accord, et du coup vous fouillez Canterlot? Non, je suis héros, je voyage justement pour donner les nouvelles dans les autres villes. Ah. Oh. D'accord. Mais si on va à Canterlot, on risque notre peau, non? Non, vous en faites pas. On ne sait pas où est passée Luna non plus. Mm-hmm. D'accord. Donc les deux princesses se sont battues entre elles et ensuite elles se sont cassées chacune de leur côté. Oui. Et les veilleurs ont essayé de refaire lever le soleil, mais... Et on en a perdu quelques-uns dans le procédé. Disons que Luna s'est opposée au lever du soleil. Mm-hmm. Ouf. Vous avez pensé à faire appel à la luz de la muerte? La quoi? De la luz. La luz de la muerte. Les deux gardes se regardent, genre, de quoi elle parle? C'est une licorne très puissante. Elle a fait fuir tous les ombres de l'ancienne cité du soleil. Toute seule. Les deux gardes... Attends, fais-moi un jet de persuasion, ça vite fait. Elle est tellement convaincue par ce qu'elle dit, tu sais. Les deux gardes se regardent, genre... J'ai jamais entendu parler d'elle, Vous savez où est-ce qu'on peut la trouver? Non, je sais pas. Bien. Nous, on sait pas où elle se trouve, mais peut-être qu'effectivement, si on savait où elle était, on lui demanderait, alors je... Ah bah oui, hein, parce que elle est très 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 puissante. Et qu'en pense votre frère? Hein? Parce que lui, il a reconnu le token. Quel frère? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Non mais c'est pas grave. D'accord. Vous verrez la référence plus tard. Bien, du coup, tu vois que le poney, le Pégase derrière qui est en train de prendre des notes, alors donc du coup, parler, essayer de trouver des enfants dans la loose de l'amour. Et... Très bien, bah, j'en prends note du coup. On verra pour lancer peut-être... Enfin, je vais essayer de m'arranger pour... Il est pas très sûr de lui. Je vais essayer de m'arranger pour trouver des informations sur cette personne. Très bien. Et vous vous appelez comment? Je suis Hero Stonelight. Et vous deux? Disons que tu leur as donné la confiance, donc du coup... Quick Strike pour lui. Et White Line pour lui. Donc soldat de la garde de la nuit.
D'ailleurs, on devrait pas normalement, on devrait pas travailler dans ces horaires-là, mais la nuit oblige. D'accord, moi c'est Skoulamor. Planté, je vous les mets dans vos. Ok. Et est-ce que la garde. Oui, vas-y. Vas-y. Est-ce que la garde de la garde du jour est toujours active? Oui, oui, elle est toujours active. Sinon, c'est un sacré bazar actuellement, donc du coup, les gardes sont sollicités. D'accord. Vrai bazar. Ouais, j'imagine avec le fait qu'il n'y ait plus vraiment de jour ou de nuit, qu'il n'y ait plus vraiment de rythme. Un peu comme l'ancien temps, en fait. Ouais. Les deux gardes qui doivent se mélanger. Bon, on va pas vous gêner plus longtemps. Nous aussi, on doit accompagner madame à Canterlot. Très bien. Ouais, je vous en prie, passez. Gracias. Faites attention sur la route, il y a des Timberwolves. Ouais. On s'en doute. On est préparé pour ça. On est payé pour ça. Bon courage. Merci, vous aussi. Et Gal, c'était de ce token là justement que je te parlais, dont je te parlais, c'est Pipsqueak. En adulte. Et en plus, okay. Et en plus vieux. Il est trop mignon. Oui. Et donc ça, c'est le frère d'Astral, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est un descendant. Je laisse passer la cariote, moi. Pareil, je fais signe. C'est vrai que c'est à moi de signe qu'elle doit avancer. Allez, U. Allez, papa. Non, je fais juste un léger signe, un sabot, un coup de sabot, et puis... Et j'en ferai un petit sourire en partant, en les saluant, puisqu'ils m'ont écouté, qu'ils sont gentils. Ah, ils ont subi le 23 en persuasion. Clairement, il faut... question mon perso, par contre, là, vous pourrez voir, il est inquiet quand même. Ah ouais. Nous alors, aussi. Pareil. Non, pas moi. Sinon, vous pourriez me parler un petit peu plus de cette Luz de la Morte. Ah, mais bien sûr. Alors. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous fais pas bouger, mais vous avancez. Déjà, comment cette picorne, elle a... Comment elle a repoussé les armées des... en fait les ombres? Ah ben, je sais pas. En fait, il y a 30 ans, il était pas né déjà, et mon père cherchait un endroit pour établir le village parce que tout le monde nous rejetait. Et puis, on a été à la Cité du Soleil, et il y avait encore des ombres, et il y a eu cette licorne qui a tout pouf d'un coup. Et elle est partie. D'accord. Et vous savez à quoi elle ressemble? Non. D'accord. Vous savez pas son nom? Non plus. Il a pas eu le temps de lui parler. Mais il a dit que c'était une femelle et qu'elle émettait énormément de lumière. Une licorne. D'accord. Et depuis, on sait qu'on est protégé des ombres. Grâce à elle, ma marque repère, putain, rire. Mais ça pouvait pas être... ça pouvait pas être... Célestia ou... Ben non, c'était une licorne, pas une alicorne. C'est vrai. Ça souffle, c'est Fireball. Quoi? Ça souffle, c'est Fireball. Qu'il a pas vu ses ailes ou... Non, il affirme que c'était une licorne. Ça m'intrigue. Mais je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, dira. Eh bien, maintenant, vous savez. Et vous avez vu tout le pouvoir qu'elle m'a donné et comment il fait fuir ce Timberwolf? Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Mm-hmm. Ah, vous m'apprenez comment vous faites.
Elle va vraiment nous endoctriner tous les questions. Là, elle, quand tu dis ça, Lucky, enfin, elle te regarde intensément, puis elle fait « Il faut avoir la foi en la luz de la muerte. » Et comment ça marche? Et comment ça marche d'avoir la foi en la luz de la muerte? Ben, vous devez croire en son grand pouvoir. Et elle vous protégera. Il implique de grandes responsabilités. Ferme ta gueule. C'est-à-dire je sais pas si j'arrive jusque-là, mais... En tout cas, très joli sort. Merci. Oh, elle me fatigue. Bah, ça intéresse le vieux, hein. Ouais. Et ça intéresse l'académicienne. Qu'est-ce qu'il dit, le vieux, enfin... excuse-moi. Peut-être un nouveau disciple, qui sait. Elle va nous endoctriner tous les joueurs, tous les joueurs. Et saison 3, tout le monde... Alors, Fizzle ne se fait pas endoctriner. Elle est juste intéressée par l'exécution du sort et par l'histoire du truc. Mais elle n'est pas endoctrinée. Genre, elle va pas en croire, elle va pas y croire. Hein. Enfin, pas y croire, enfin, elle va écouter. Tu veux un autre jet de persuasion à 23? Je plaisante. Non, elle y croit pas. Ouais, elle est juste, enfin, c'est pas, elle y croit pas, c'est juste... ça va pas être une prêtresse, ce que je veux dire. Oui, j'entends bien. Une suivante. T'inquiète. J'imagine si j'avais fait aussi un personnage religieux. De religions qui s'affrontent. Oh Allez. Merde. Oh no. Oh no. Ça aurait été la merde. Vous allez arriver très tard à Canterlot. En même temps, il n'y a pas forcément de choix. Oui, mais non, mais particulièrement tard. Niveau horaire. Je vais vous déplacer sur la prochaine map. Tac, vous pouvez poser votre token. Ah oui, vous ne voyez pas où est-ce qu'il est. Désolé. On n'est pas où? Hop. Je sais pas si vous pourrez les bouger, je vous les ai posés. Oui. Oh ah bah merde. On voit l'intérieur par contre. Oui, c'est normal. Bah il y a les fenêtres. Il y a les fenêtres. Et faut que je place Flaming. Oh d'ailleurs Flaming, je vais vous la... Mais tu te calmes. Non. Ah du coup elle nous avait demandé de l'amener à cette taverne là. C'était escorte à Canterlot. D'accord. Bon, en fait, non, Fleming, elle va pas vous accompagner, elle va rentrer chez elle parce qu'elle habite à Canterlot. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère bientôt vous revoir un jour. Mm-hmm. Merci. Avec plaisir. Au revoir, bon courage. Bon courage à vous aussi. Elle nous aura indiqué la taverne, du coup. Oui, elle vous a accompagné au moins à la taverne. Vous verrez ici, c'est très sympa. D'accord. Je confirme, j'y suis déjà venu. Mm-hmm. C'est quoi le nom encore, demande. Aux zèbres enchanteurs. Je regarde le nom. Je suis pas déjà venu, mais je connais. Zèbre enchanteur. Mais décidément, vous connaissez beaucoup des choses. Hein. Est-ce que je connais le nom, Ren? Tu me fais un jet de culture G. Qu'est-ce que t'as dit, Golden? Je l'ai lu quelque part. Vous l'avez lu dans votre truc personnel? Oui. D'accord. De toute façon, elle aurait. T'sais, s'ils ont vu ce que je lisais, vu le tronche du machin, ils auraient peut-être pu facilement deviner c'était quoi, non, avec un jet de perception. Il essaye pas de le cacher. S'ils regardent, il n'y a pas besoin de jet de perception. Oui, voilà. Je me serais intéressé quand même, au moins à la couverture du livre. Ouais. C'est un journal. C'est un journal. D'ailleurs, je vais rajouter une nouvelle page parce que ce sera ce soir. Et c'est le journal de qui? Mon fils. D'accord. C'est un carnet de voyage? En quelque sorte. Il s'appelle comment, votre fils? Carringwood. Comment? Carringwood. Attends, je vais l'écrire. Ah, mais il les connaît? Hein? Il les connaît, moi. Il te regarde incrédule, pardon. Bah, il y a quelques années, il était passé à la cité del Sol.
avec des amis à Louis et puis on avait dansé, c'était sympa. Merci OMG. Et là tu regardes un instant Cicel, tu vois qu'elle est perplexe et tu n'oserais pas. Attends, ce nom me dit quelque chose aussi. Non. Je crois c'est pas ça. Si, attends, je vérifie. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que... Vu, je t'ai dit quelque chose par rapport à ça? Si, si. Ah bon? Comment? Regarde dans mon background, la première Astérix. Je sais plus si j'avais les noms. Je crois. Mais comment? J'aurais pu pas m'en rappeler, mais j'ai fait un 17 en intellect quand Ruru m'avait fait jeter les dés pour savoir si je m'en souvenais. C'est quoi? Attends, je vais lancer un jet d'intellect pour voir si je continue. Attends, je te prends en privé, fais le qui, parce qu'il faut que tu m'expliques, je sais plus dans quelles circonstances je t'ai donné tout ça. Okay. Moi, je sais pas qui c'est cette personne, mais voilà. Ah, il était avec Thunder Will et Thunder Rosa. Oui, je les ai rencontrés. Il va bien? Il est mort. Ah, c'est la poulette. De quoi? Il est mort? Donc, vous avez continué le RP sans... Je pense, j'avais pas entendu que t'étais parti. Pardon. Il y a juste eu une phrase. J'ai juste demandé s'il allait bien. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Je l'ai dit un peu trop tôt. Et d'ailleurs, en fait, juste un SDF avec son chien. Mais t'arrêtes d'utiliser tes persos de Rififi. Non. Bah mais au moins Violette, quoi. C'est la seule qui vaut le coup. J'approuve. Qu'est-ce que t'as dit, Golden? J'approuve. Pour troller les autres. Chez. Bah du coup, on peut refaire le petit machin que tu venais de dire. Oui, pardon. Et il va bien? Non. Quoique, non, je le... Tais-toi, Ruru. Désolé. Je me corrigeais parce qu'il était très tard et que du coup il est pas là. Du coup, tu peux répéter mon pauvre Golden. Il est mort. Ah. Il est mort. Yes, oui, désolé. Il y a que on m'a ramené. On l'a ramené il y a quoi, 2 semaines à peu près, Ren, c'est ça? C'est à peu près ça. À peu près 2 semaines à la maison. Ouf. Bah, le pas de patte un peu maladroitement. Yes, oui, désolé. Bah, il dit trop rien et... Il a l'air triste. T'es contente? Mais c'est pas ma faute. Cartio MJ. C'est toi qui as fait un background pareil, hein. C'est lui qui a été écrire en plus toutes les lettres et qui m'a fait encore plus me sentir mal. C'est pour ça que j'ai dit vers avant qu'on commence, je sens que je vais avoir envie de changer de perso. C'est toi qui as choisi ce background aussi, hein. Mais j'ai pas demandé à subir tout ça. Est-ce que je remarque que... Ce n'est qu'un début. Oui, je sens que ce n'est qu'un début. Est-ce que je remarque si le perso de Golden est pas bien ou quoi? Il vient de dire que son fils était mort, faut pas être non plus super intelligent, hein. J'ai pas entendu... Alors... Mon perso était en train de regarder le nom de la taverne. Il faisait pas attention à votre conversation. Bah, fallait écouter. Voilà. Il a entendu mort et c'est tout. Et ça se voit, oui, qu'il est pas bien. Il est tête baissée, les oreilles baissées. Il pleure pas, mais ça se voit qu'il est pas bien. Ça va bien, monsieur Wood? Non. Ah. Bah, je vais lui faire un câlin. Voilà.
Bah, il la laisse faire et il lui rend un peu aussi. Donc c'est son journal, oui, et sa lettre. Désolée d'avoir été trop curieuse. Vous pouvez pas deviner. Moi, je l'ai jamais été assez, donc je vois pas pourquoi je vous en voudrais. C'est de ma faute s'il est parti. Fizel lui fait aussi un câlin, mais c'est un peu maladroitement. Et si on allait à l'intérieur, au moins on aura chaud et puis on pourra. Oui, et puis il paraît que c'est bon. Il avait écrit dans son journal que. Je vérifie. Que. Le cidre est excellent ici, il paraît. Pourquoi ce. Parce que là, c'est pour le MJ. Pourquoi? Le cidre, hein. C'est. Ah, il aurait pu dire de l'alcool de. C'est la boisson de préférée de Winter. Et c'est surtout c'était... que c'est la recette de cidre de Zima. Donc. Ah ouais. J'ai jamais précisé quel type d'alcool c'était. Cidre sanguin, c'est quoi à ton avis? Ouais. Oui, si. Une recette de famille uniquement transmise de génération en réalisation. Ouais, moi, du coup, je pousse la porte. Moi, je suis au rythme du papier. Est-ce qu'elle a l'air lourde avant que je commence? Ça va. Attends, je vais partir les rats. Allez, bon. Chou. J'y vais pas comme un gros taré, du coup. Je vais faire un jet de terreur sur les specs. Bonjour, voyageur. Copyright. Bonjour, voyageur. Avancez. Ah, bien le bonjour. Bien le bonsoir. Vous voyez qu'il y a la taverne. Et laissez-moi de. Oh. Donc, du coup, la taverne est plutôt vide et vous voyez que ça nettoie surtout les tables un petit peu, et puis le sol. Enfin, c'est vraiment. Ils sont sur le point d'aller se coucher, quoi. Hola. Ah, bonjour. Bonsoir. Bonjour. 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 Vous êtes encore ouvert? Oui, non, il n'y a pas de problème, installez-vous. On est en train de ranger, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recevoir de clients. En quoi peux-je vous servir? C'est qui parle? Monsieur Whitesider, c'est ça? Eh bien, j'ai une réputation. Oui. Du cidre, s'il vous plaît, beaucoup. Vous le connaissez, monsieur Wood? Mais t'as rien écouté, toi, hein? Non, mais il n'était pas là quand je lui ai dit qu'il en a parlé dans son livre. Il a juste eu la fin de Mon fils est mort, tout ça. Oui, mon fils est venu ici il y a longtemps. Il a dit que le cidre était très bon. Ah, super. Une recette transmise de génération en génération. Exact, oui. Une recette secrète. Je vais vous servir ça tout de suite. Vous voulez quelque chose, messieurs, dames? Bah, comme Louis. Et à manger, s'il vous plaît. À manger et un bac de cidre, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. On n'aura pas, on a éteint toutes les casinières, donc on aura encore quelques restes. Je vais voir en cuisine ce qui reste. Justice. Bah, du coup, moi, je jette un œil autour de moi. Et vous, c'est quoi vos noms? Bonsoir, moi c'est. Kroll. Faire chier le MJ. Moi, c'est Scheimer Cider. Et moi, Skoulamor. Et moi, c'est Velvet Cider. Vous êtes sœurs? Oui. D'accord. Et on est les filles de White Cider et de Justice Juice. Mon Dieu. Juice. Gigi. Moi, j'observe ce qui se passe dans la taverne tout en disant... Tout en me disant enchanté, Silverleaf. J'observe tous les murs. Donc, du coup, il y a juste. C'est la première fois que je. Pardon. Ah. Et, du coup, c'est juste. Il y a White Cider. Ouais, on y arrivera pas. Mon gars, j'ai dit ta phrase. Je vais terminer vite fait. Il y a White Cider qui vous dira on peut vous faire réchauffer du pot-au-feu si vous voulez. Du pot-au-feu. Oui.
ça me donne faim, putain. J'ai faim. Très bien. Là, je m'en souviens encore de. J'ai faim aussi. Ouais, allez. On bah, pas le temps de manger. Tofu. Vous embêtez pas pour nous, hein, si vous avez quoi. Il y a pas de problème, c'est notre boulot. Justice, 4 poteaux fous. Bon, bah, d'accord. Ouais, vu que c'est la première taverne dans laquelle je mets les pieds en dehors de mon village, bah, j'observe partout, quoi. Oui, le papy aussi. Puisque, bah, il en a parlé dans son journal, bah, il est curieux de voir l'endroit. Ouais, c'est voilà. Génial. Merci. 4 cidres. Il n'y en est jamais beau. Pardon. Ah bah, vous aurez commencé avec les meilleurs alcools qui soient alors, madame. Oui. Oui. Je goûte pour voir si ça me plaît, et puis si ça me... Vu que ça me plaît, je descends tout d'un coup. Glou. Mais je vous reconnais, vous. Effectivement. Effectivement, on est passé... je suis venu ici il y a quelques jours. Oui, je me disais bien. Ah, de la publicité pour l'établissement, ça fait toujours plaisir à voir. Moi aussi, je goûte. Bah. Quoi? Moi, j'en reprends. Enfin, moi, je bois... je fais pas du cul sec, mais je bois petit à petit. Est-ce que normal. J'ai remarqué quelque chose sur dans la taverne ou quoi? Bah, qu'est-ce que tu veux remarquer? Un peu partout. Tout ce que tu vois, tu le vois. C'est tout. C'est une d'accord. Taverne. Vide. Félicitations. Tu voulais pas mettre un tableau? Putain, oui, je l'ai oublié. Ah bah attends. Bravo! Il a oublié le tableau! Est-ce que tu veux bien me le renvoyer? Parce que j'ai... Faut que je le... C'est bah, honteux! T'es toujours dans le groupe, normalement. Ah. Attends, je vais aux toilettes. Envoyez-le, moi, j'arrive. Oui, je lui envoie. Laissez tomber. Mais je en mousse! J'ai oublié. En vrai, tu devrais mettre le tableau des 5 et deux tableaux géants de Stormice et Zima. Attends, c'est quand même les proprios à la base, hein. Ouais, mais ils sont pas... Enfin, t'as relâché avec le temps. Du moins, Zima, il aura pas voulu foutre un tableau géant de lui. Hein. Non, mais ils en ont un en fait. Je pense qu'ils avaient leur portrait dans la maison et enfin dans leur maison. Oui. Et les descendants ont pu les mettre sans leur accord puisqu'ils sont morts de toute façon. Ouais. En hommage, tu vois. En vrai, faut que tu mettes ce tableau-là, Ruru. Le dernier que je t'envoie. Alors, rien ça. Qu'est-ce que tu lui envoies? Yes. Qu'est-ce que tu lui envoies? Vas-y, envoie. Non. Si. Non. Je suis en droit d'avoir. Non. Si. Allez, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Mais quel emmerdeur. Je suis Emile Curstie ou MJ. Yes. Ah mais du temps à charger. Ouais, elle est énorme. Elle a 30 hein. mégas. 30 mégas, wow. 30 mégas d'image. Je pourrais jamais l'upload. Il va falloir que je l'enregistre, que je la réduise. Bon, je ferai ça non, plus tard du coup. Je l'ajuste en JPEG. Mais il me propose pas de l'enregistrer en JPEG. Je vais l'enregistrer, je vais la modifier. Ah oui, c'est... il y a beaucoup de pixels.
Bien. Bon, du coup, elle boira un peu le cidre. Elle trouvera ça bizarre parce qu'elle n'a jamais vraiment bu d'alcool. Et puis, elle va faire comme Silver, cul sec. Moi, je fais cul sec et je dis c'est excellent. C'est bizarre. Et du coup, est-ce qu'on voit le tableau ? Oui, bah justement, il va arriver. Non, mais sans que tu aies besoin de le mettre, on le voit ou pas ? Oui, oui, vous le voyez. Bah, je regarde le tableau, quel dire qu'il est là. Perdu. Il est pas là ? Il est où ? Là ? Là ? Là. Où ça ? Ah, là, tu es là. Devant. Ok. En face. Bah, elle regarde le tableau. En voyant le tableau, je m'approche... Alors, Ren, quand même, j'ai le bouquin. Est-ce que je sais quand même de qui c'est ? Oui. Or, du coup, mon perso, il est en mode... Il dit rien de plus, il fait juste... Un fin connaisseur des anciens gardiens. Et je dis, bah... Oui, forcément, C'est Griff, Winter Ruby, Brittle Spine, Stormice et Zima, bien sûr que je les connais. Je sors mon livre en mode ma mère me racontait leurs histoires quand j'étais petit. Ah, mais c'est eux alors. Sacrée tête de guignol. Surtout le papier là. Je la regarde et je fais quoi ? Bah quoi ? Je s'approche pour regarder. Enfin, madame, je ne vous permets pas d'insulter ainsi mes ancêtres. Il y en a que deux qui sont ses ancêtres. Enfin, il y en a que deux qui sont mes ancêtres. Mais... Et c'est qui vos ancêtres ? Stormice et Zima. Et c'est Stormice et Zima ? Il s'approche du cadre et il les montre. Ah oui, effectivement, la ressemblance est frappante. Oui, bon, il y a de l'adoption derrière, vous comprendrez, mais... Désolé, alors. Moi, je le regarde et je fais... Vous descendez vraiment de... C'est génial. De Stormace et Zima. Et enfin, mais ces deux étalons, comment c'est possible? Alors, attends. Sauf si dans le monde, c'est devenu courant. Alors, il y a une explication tout à fait logique. Sauf si dans le monde... Alors, en vérité, je ne descends pas de Zima, mais de Stormice. Et d'une certaine Moon Sparkle. Bouh! Ils ont volé le bar à Zima. Mais Zima était un peu notre père à nous également. On avait un petit peu deux pères et une mère. Grand-père. Oui, j'étais en train de me dire, vous le faites pas. Alors... Silver, du coup, il se rapproche du bar. Ah, il comprend. Et il se penche sur le bar en disant... Arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Mais vous les avez connus ? Malheureusement, non. J'ai plus connu leurs parents, enfin, leur fils à eux. Ah. Donc, mon grand-père, ma grand-mère. D'accord. Moi aussi, j'ai un père et trois mères. Ah bah on se comprend dans ce cas. Et yes, oui, désolé de les avoir insultés. Ah, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez un père et trois mères. Mais la prochaine fois, je vous vire de mon établissement. Ah d'accord. Dit-il en rigolant. Trois mères, ok. Oui. Ok, bah non, c'est lui, il est un peu surpris. Et quatre pot-au-feu. Ah oui. J'ai envie de dire, si ça marche bien, je vois pas où est le problème. Bah, y a pas de problème. Il est toujours penché sur le comptoir, sachant vu sa taille, il doit passer quasiment de l'autre côté. Du coup, il continue à poser des questions. Hein. Là, il est à fond, il est en mode fanboy. Hein. Silver, tu peux recouler. Je m'appelle Justice Juice. Enchanté. Merci. Je vais retourner nettoyer ma cuisine, du coup. Désolé. Bonne soirée. C'est pas un problème. Vous voulez de l'aide ? C'est bon, vous êtes client. Pas besoin d'aide. Ah
oui, il est là, regardez, il y a un petit bout. Et voilà, vous avez été servi par Justice. You have been served by Justice. Il a fait quelque chose pour cette blague. C'est un hasard à la base, mais... Mais... Je tiens à dire que c'est la deuxième fois qu'il me l'a fait. Moi, du cette coup, image j'ai... magnifique, hyper énorme et tout, en minuscule et étirée sur le mur, ça valait la peine. Moi, du coup, je... Du coup, moi, je avec... Du coup, je continue à poser des questions, en fait. Savoir si... Si les anciens gardiens, ils ont gardé des contacts, après, s'ils savent, s'ils ont envie de garder des contacts et tout. Après, les gardiens sont un petit peu... avec le temps, me semble-t-il, ils sont devenus moins fréquents. Et c'était devenu de plus en plus la garde. C'est transformé et divisé en... Reine. Tu m'as compris, si les familles, si les familles des cinq, ils sont restés en contact. Ah oui, pardon, mais j'étais un peu fatigué, j'avais pas compris. Mais oui, ils sont tous ou presque tous à Canterlot, ils viennent de temps en temps dans le coin. Oh. Oh. Vous savez s'il y en a qui viennent encore, enfin qui... Alors, c'était la même question, mais... Il y en a qui sont venus ici récemment ? Oui. Bah, il y a quelques cousins, cousines, oncle et tata, tout ça. Et ben... Du coup, ils étaient comment, leur... Enfin... Du coup, ils étaient comment, les... Du coup, vos arrière-grands-parents. Oui, voilà, vos arrière-grands-parents. Ah, ou vos grands-parents. Oh, j'ai que des... Mes grands-parents qui me racontaient tout ça, c'était une bad pony. Une bad... Oh la vache. Une bad pony. J'arrive pas. Une bad pony et... Enfin, un bad pony et une terrestre. Mm-hmm. Et donc directement enfin, la terrestre était la fille de du Storm Ice ici sur l'image et de Moon Sparkle. Bonne nuit Missou. Bonne nuit. Bonne nuit Miss. Au revoir Michou. Merci. Et bonne nuit. Flamenco. Mmh. Ah oui, la fille de Tango, putain mais je suis fatigué. Et puis Flamenco qui était donc mon grand-père. Mmh. Il y a eu Black Cider, mon père, et qui m'a eu moi ensuite. Est-ce que vous avez des anecdotes qu'on raconte pas dans les livres? Donc les positions de tes arrière-grands-parents. Alors la réponse est oui, mais je ne vais pas vous dire tout ça maintenant. Est-ce que vous avez souvent des gens trop curieux qui vous bassinent avec vos ancêtres toute la soirée? Toujours, toujours. C'est pas trop fatigant? Ah, on s'y fait au bout d'un moment. Il y en a qui s'intéressent juste à vous, pour vous, et pas pour vos ancêtres. Bien, oui, ils regardent la cuisine. On essaye de leur faire comprendre qu'ils sont lourds, putain! Au bout d'un moment, il y a les deux. Vous avez parlé, arrivent. Moi, de ma famille, j'ai 7 enfants. Enfin, j'en avais 7. C'est le 6 mai, du coup, à parler de famille. Papa, on a terminé. Bah, allez vous coucher, les filles, du coup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, t'es. Bonne nuit. Je vais rester un petit peu, du coup, les filles, pour m'occuper des clients. Bonne nuit, papa. Moi, mon poney, la moelle, mon Silver, il se rend compte qu'il est forcé à rester plus tard, donc il mange. Papa, il y a des trucs bizarres ici, il y a marqué Speck dessus. La prochaine fois, au lieu de marquer Speck, tu mets les emojis d'œil. Oui, mais non.
Mais tu saoules, Lucky, c'est ce que je voulais faire pour Riot, du coup t'as gâché la surprise. Et pourquoi tu l'as dit? Bah parce si que après on va croire que j'ai copié sur ton idée, mais j'avais l'idée avant. Après il y a des clochards à la maison. Papa, il y a des clochards dans le salon. J'ai pas compris. C'est une référence aux visiteurs. Voilà. C'est un film français. Ah oui, bah oui, non, je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps. Disons, ouais, avec tout ça, enfin, même pendant la discussion, elle mangeait, hein, fils, elle mangeait. C'est, elle restait pas assise devant, comme une conne devant son repas à poser des questions. Non, 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 elle mangeait en même temps. D'ailleurs, ça tourne un peu, hein. Lior aussi, moi je sais, je le vois, il voit pas non plus à mort le site. Je pense que je vais faire un truc, je vais essayer un truc pour l'alcool. C'est vous pourrez boire autant de verres, donc de doses de barres, entre guillemets, on va dire ça, que la moitié de votre dé de vigueur avant d'avoir des jets de vigueur à faire. Ah, ok. Ouais, mais elle l'a fait cul sec et elle a jamais bu. Ok, bah okay. Moi ça va, il est à son quatrième verre. Mais techniquement, du cidre en soi, ça va le faire. Ok, bah je fais un check. Jamais bu, du cidre, ça va. Moi, mon perso, il a fini de manger. Putain, t'es pas le... Mais bien, sacré appétit, mon grand. L'habitude de manger vite pour retourner travailler à la forge. Oui, je connais. Puis, je voulais pas... Mais à un moment, vous allez avoir mal au ventre si vous continuez ainsi. Pour l'instant, vous êtes jeune, vous digérez vite. Ça a pas l'air de gêner mon papy. 70 ans et il fait comme ça lui aussi. Silver, tu veux qu'on essaye un truc demain? Hein? Demain matin, c'est moi qui te fais manger, comme ça tu apprécies la saveur de la nourriture. Mais j'apprécie la saveur de la nourriture. Non, tu as englouti la saveur de la nourriture. Voilà. Et je l'apprécie la nourriture. Non, pas. T'es élevé chez les cochons, tu manges toute la bouffe et la cuisinière, là, tu ne lui as même pas dit. Tu sais, mais... vraiment, il fait le papy qui engueule le gosse qui mange trop vite. Mais... Elle a mis du temps à le faire chez moi. Oui, mais tu vas pas à la forge après, tu peux prendre ton temps. Y a pas enfin... de mais. Exactement, y a pas de mais. Demain, c'est moi qui te fais manger. Mais arrêtez. Mais non. Rien du tout. Les deux qui sont en train de se marrer en voyant la scène. La femme qui dit je vais aller me coucher, du coup j'ai terminé de nettoyer la cuisine. Très bien. Si jamais il demande des desserts, je gérerai le tout. Très bien. Il s'embrasse sur la bouche, puis. Bonne soirée, messieurs. J'aurais dû continuer ma phrase, oui, mais on s'est interrompu. Bonne soirée. Ça suffit, arrêtez. Je l'ai dit, en fait, il faut. Non. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi manger comme je veux. Non. Mais. C'est impoli. Mais c'est pas impoli. Si, c'est impoli. Si on aime la nourriture, qu'on la mange vite ou pas, c'est la même chose. Les sourcils. Ah, je n'ai jamais vu des sourcils aussi français. Mon perso, il réagit pas plus que ça, mais ça suffit. Arrêtez, laissez-moi manger comme je veux. Oui, d'accord, mais demain, on essaye. Mais j'essaierai de manger plus lentement. Pas vu Ratatouille. Avec son frère qui a englouti la nourriture. Tais-toi, Golden, putain. Je vois pas pourquoi tu râles. Donc ma ref, elle était. Parce que j'essaye de pas. Ah ouais, mais il y a le mur en fait, j'avais pas tilté qu'il y avait l'éclairage dynamique qui gênait un petit peu. Moi, du coup, voilà, je tends mon assiette. Et notre ami de tavernier. En m'excusant quand même qu'on le fasse rester si tard. Y'a pas de problème, c'est mon métier. Tout de même, vous étiez prêts de fermer. D'ailleurs, vous avez une chambre? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que ce serait bien des chambres. Donc il vous donnera les prix des chambres. Vous n'avez pas besoin de faire de jet ou quoi que ce soit sur le dé de richesse. On a assez. Dans vos moyens, il y a large.
Merci. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de calculer, j'ai pas besoin de me faire chier avec ça, c'est trop bien. Ouais. Ouais, je pense aussi adopter le système plus tard. Parce Moi aussi, là... c'est le système de... De richesse. Oh. Mm. Bien. Mais je vous propose qu'on aille se reposer. Tenez, donc du coup voici là, attendez, vous êtes à 4, j'ai une chambre de 4, je vais vous accompagner. Merci, et c'était très bon. D'ailleurs vous avez des informations sur ce qui s'est passé il y a quelques jours? Ah oui, au coup de la nuit. Mais c'est pas quelques jours, c'était... Si, c'est vrai qu'on a marché... Il y a quelques nuits. On a marché pendant combien de temps? Deux jours. Ok. Attends, je vois juste un coup. Eh bien, c'est-à-dire qu'il semblerait que les princesses se soient battues. Elles ont changé de forme. Une partie du château a pris. On sait pourquoi elles se sont battues? Le château a pris. Il a pris. Il a pris cher, il a été un peu détruit, mais partiellement. Bon, vous venez, vous. Et donc, on ne sait pas vraiment pourquoi elles se sont... Enfin, ce conflit a commencé, on sait juste qu'elles se sont transformées, elles ont fait de gros dégâts. Attends, parce que papy, non, je sais pas. C'est l'inverse, Silver. Je vais lui faire encore un jet de vigueur, parce que je disais, il a pas beaucoup bu, mais si, il a demandé en premier de prendre beaucoup de verre. Voilà. Bon, c'est un grand-père, il est habitué. Ouais. Pris combien de verres? J'en ai pris 4, puis j'en ai pris encore un, j'ai fait un jet, il a fait 5, ah oui. Et là j'en ai encore pris pour un la ou deux, quantité quand même, pour ton prochain jet de richesse, tu mettras moins 1 dessus. Ok. Hop. Je vais vous déplacer sur l'étage. Arrêtez de bouger! Il a un peu noyé le chagrin, comme on dit. Bon, ce coup-là, alors j'ai perdu le token de Golden, tu veux bien le rebouger s'il te plaît? Ce coup-là essaye de le soutenir comme elle fait. CTRLZ. Là ouais. Il est là. Ça va aller? Ouais. Faut bien. Je me mets à côté de Wood et je le porte. Je suis pas bourré hein. Ah, notre Cid a tendance à se boire tout seul. Ouais. Je ne suis pas bourré, je vais bien. Voilà, ça sera votre chambre ici. Du coup, vous en savez pas, vous en savez vraiment pas plus. Je vous ai dit tout ce que je savais. Les princesses se sont transformées, elles sont combattues. Et elles ont disparu, comme ça. Ah! On sait pas dans quelle direction elles sont passées, elles sont parties. Non. Disons qu'on a un peu été surpris par l'éclipse, la nuit, et... Il semble... Enfin, on a bien essayé de relever le soleil avec des veilleurs, mais apparemment, Luna serait revenue et aurait attaqué les veilleurs. Et je crois qu'on en a perdu un ou deux au passage. J'ai pas eu plus de nouvelles que ça. D'accord. Pourquoi il y a une carte qui a été tirée? Bien. Du coup, je vous en prie, prenez place. Ouais, je rentre en premier, moi, du coup, vu que je suis le plus grand. Merci beaucoup. Merci. Ils sont trop petits, les lits. Non, ils peuvent accueillir des minotaures. C'est pas ceux-là. Non, pas là. C'est les grands lits. Oui, c'est pas ceux-là, mais ils sont résistants, tout comme. C'est les lits qui sont là, qui peuvent accueillir. Ils sont résistants, tout comme. Moi, je vais sourire au monsieur. Merci beaucoup pour votre accueil et bonne nuit. Non, enfin, ce n'est rien, c'est mon métier. Bah, bonne nuit. Et alors, j'ai connu des taverniers moins aimables. Non, c'est pas vrai, mais bon. Moi aussi. Oh! Oh! Ça chiale! J'ai fait en avance, en fait. Quoi? J'ai fait en avance un jet d'âme pour pendant la nuit. Ah. Ça va chialer. Fort. T'en étais où dans le journal là? Je sais plus si je te l'ai rajouté. Est-ce qu'on va l'entendre ou pas? On doit faire un jet de perception.
Avec un jet de perception, il est pas très discret, je crois. Ruru ? Oui, vous serez... Vous dormiez si vous pourrez faire un jet de perception. À moins 2 ? Le 23 février 101. Celui-là, tu l'as pas vu ? Celui-là, je l'ai. Merde. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu ? Là, je l'ai lu, oui. Perception, il y a des moins donc, ou... Donc je dois t'en mettre un autre. Attendez un instant. Je crois qu'il y a moins 2 quand tu dors. Je t'en mets un autre golden ou pas, je sais plus. Bah ici, juste encore un, je crois que c'est bon. Hop. Et... Voilà. J'ai peur. Du coup, perception moins 2, Ruru ? Perception tout court. Ah ok, bah alors je relance alors... Non, j'ai fait 5. Oh ah bah, pourquoi j'ai... Elle se lève en flottant. Oh. Relance, c'est bugué. C'est chiant que ça te bug chez toi. Le je sais pas pourquoi ça bug, mais ça me saoule. Pardon. Quand même. Bah du coup, sans le moins 2, j'ai fait 5. Ok. Tout le monde va entendre. Et va y avoir des yeux qui vont briller du côté de Fizzle. En fait, lui, il s'envole, soulevé par la grâce divine. Non, en fait, Fizzle, elle va pas pouvoir dormir. Bah, moi, je... Elle va pas pouvoir dormir parce que elle passera toute la nuit à entendre le vieux pleurer. Il pleure pas depuis le début de la nuit, c'est au milieu de la nuit qu'à un moment donné il est en train de pleurer. Bah quand il pleure, je vais m'approcher et il lui patte la crinière. Moi je pars du principe qu'il pleure en dormant. Ah d'accord. Je reste au pied du lit en essayant de murmurer, ça va monsieur Wood? Mais on constate qu'il dort ou pas? Mais techniquement, quand tu dors, quand tu pleures, ça te réveille. Hein. C'est comme quand tu... Mais je sais, mais là, je veux dire le début, tu vois. Il est en train de se réveiller en même temps. Et puis, il vous voit et il fait... Qu'est-ce qui se passe? Vous pleurez. Et... Tu vas bien? J'ai l'air d'aller bien. Mon perso, il se frotte la nuque en mode... Je sais pas, j'ai pas trop l'habitude des gens. Je vais aider, mais je sais pas comment on fait. Mmh. Bah, c'est ça. Écoute. Ce coup-là, elle va elle va le prendre dans ses bras s'il se laisse faire. Et il le laisse faire. Et elle va lui patte la tête en faisant « Calmate, calmate. » Calmate, ah ! Calmate, calmate. Calmate, ça veut dire calme-toi. Ouais. Calmez-vous. Mais vous gâchez tout. Désolé. Je te kick. Oh. Encore. Oh non, c'est la troisième fois cette semaine. Et elle fera signe à lui de venir faire un câlin s'il veut. Fizzle, du coup, pendant qu'ils sont en train de... Pendant qu'il venait, quand il commençait à se lever, pendant qu'il commençait à... Que l'autre, il commençait à pleurer. Fizzle, elle va rechercher elle va tenter de se remémorer à nouveau le pourquoi. En fait, il pleure, donc il pleure pourquoi, pour son fils. Est-ce qu'elle a des infos par rapport à lui ou pas? Est-ce qu'elle se souvient? Parce que ça me disait quelque chose. Mais pas en jet de perception, je veux bien que tu refasses un jet d'intellect. Merci. Ouais. Là tu sais tout ce que tu as écrit avec les dents, tout le bordel. D'accord.
Là, les specs, un seul jeton peut suffire. Hein. Vous êtes pas obligé d'être plus que je bougerai en voyant Fizzle arriver pour s'il veut venir aussi sur le lit. Disons que c'est compliqué. Pas facile de faire son deuil, en fait. Je continue de le pat-pat. D'abord mon fils, puis ma femme. C'est difficile, en fait. Mais pourquoi vous êtes partis? Vous avez pas des gens qui vous aiment là d'où vous venez? Si. Et ça aurait pas été plus facile de surmonter le deuil avec eux? C'est justement parce que j'essaie de faire mon deuil que je suis parti. À cause de comment on s'est quitté, mon fils et moi, à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué à expliquer là maintenant tout de suite. Peut-être plus tard, mais disons que j'ai pas été un bon père. Bon, ça y est, je vois pourquoi tu disais. Pourquoi? Mon perso... Pardon. Mon perso, il fait qui rend triste le tien. Et je comprends maintenant. Je comprends. C'est parce que le père de mon perso a fait la même chose. Vous l'avez frappé? Il baisse la tête. Oh non. Non mais l'autre, elle fout les pieds dans le plat. Je ne fais pas exprès, je suis désolée. Ah bah ça, pour avoir des persos qui ont autant de tact qu'une marmite. Pour une fois, c'est toi qui sautes dans le plat. Bah, c'est normal, ça aussi, il sautait les pieds dans le plat. Ouais, c'est vrai. C'était autre. Ah bah c'était autre. Bravo. C'était différent. Ah bah bravo. Ton Altesse. Mais... Pourquoi? Parce que je n'avais pas la même vision du monde. En quoi vos visions différaient? J'ai toujours dit et pensé qu'il fallait pas partir à l'aventure, justement. Que c'est dangereux, que c'est pas bien. Que c'est les égoïstes qui abandonnent leur famille qui le font. J'avais peur de ce qui est étrange. Et de ce qui est dangereux, en fait. J'ai toujours dit que pour vivre heureux, il fallait vivre caché et en sécurité. Mais le problème, c'est que sur mes 7 enfants, c'est le dernier qui n'était pas d'accord. Du coup, vous avez fait votre égoïste et vous êtes parti en laissant votre famille derrière. Oh, je la regarde mal. Oh, je la regarde mal. Oh, je vais te faire un jet de terreur. De toute façon, il se laisse pas décontenancer parce qu'il va juste répondre « Ils n'ont plus besoin de moi, de toute façon. » La seule chose que je fais depuis que je suis là-bas, depuis quelques années, c'est... survivre, en fait. Et attendre la mort. Et du coup, quand on m'a ramené mon fils, ou ce qui en restait, et que ma femme est morte plus tard, J'ai enfin décidé de dire les lettres qu'il envoyait et que je ne lisais pas par pure musquinerie et... Comment dire ? Fierté débile. Et... Je me dis que j'ai plus rien d'autre à faire dans ma vie qu'au moins faire ce que mon fils a fait et qu'il avait envie que je fasse avec lui. Quand j'ai lu les lettres, j'ai compris qu'il avait envie que d'une chose, c'est que moi aussi, moi et le reste de la famille... Venions un jour avec lui faire des aventures, sauf que... Et maintenant qu'il est mort, je ne pourrais plus le faire avec lui, donc je le fais un peu... par procuration après sa mort. Je cherche le terme, mais je ne sais pas comment le dire. Du coup, vous voulez suivre les traces de votre fils Du coup, vous voulez suivre les traces de votre fils en faisant les mêmes aventures que lui, ou... Oui. Parce que... Vive l'aventure, oui. J'ai le droit à l'intimidation sur un joueur, Ruru ? Oui, c'est la persuasion. J'ai pas le droit sur la joue. Non, c'est mauvais.
contre l'âme, du coup. Attends, je vais en lancer pour voir. Ah bah attends, attends avant de faire ton âme alors, Fizzle. C'est pour ça. Pas les couilles, Fizzle. Ouais. J'ai pas vraiment trouvé, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Attends, attends, faut que je vérifie un truc. Mon perso, moi, il baisse la tête d'un air triste. Attends, faut que je vérifie un truc. Oh, le drama. J'ai plus rien d'autre à vivre de toute façon. Je suis plus proche de la fin que du début de la vie. Donc... autant faire ce que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Et enfin prendre un peu des risques. Si vous voulez savoir, j'ai je me suis souvenu Tu as le défaut indélicat, c'est ça? Je me suis souvenu, je me disais bien que j'avais entendu le nom de votre fils il y a pas mal de temps. Ah. Effectivement, c'est lui qui m'a... J'ai fait appel à lui et, ses, et son groupe pour m'amener jusqu'à Cantorlot. Mais c'est pas vrai, il a fait plein de trucs en fait. Et là, c'est le joueur qui parle. À la base, je venais de terminer mes études à Mistfail et on m'avait recommandé l'académie de Cantorlot. Il y a combien d'années? Je revérifie juste encore un instant. Il arrivera. Elle a quel âge? C'était il y a 3 ans à peu près. Il m'avait escorté. On avait discuté un peu. Et sympathique. Et d'ailleurs, il était accompagné de... Ouais, il était accompagné de 2 autres personnes. Juste 2? Thunder Will et Thunder Rosa. Le frère et la sœur, bah... Et donc, il y avait aussi votre fils. Et bah écoutez, ils m'ont amené sain et sauf jusqu'à de Mistfail jusqu'à Cantorlot. Bah, il a un petit sourire, fier en retard. Perso, il dit rien, il regarde par terre hein, en pensant à son propre père. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien à vous jouer. Du coup, au bout d'un moment, il les remerciera et il dira que. C'est bon, il va mieux. Mais du coup, c'est pour ça que oui, il y a un papy de rien du tout qui est parti à l'aventure aussi. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre. Il comprend que ça est bizarre. Mais il a rien à perdre de plus. Et ce qui lui reste de Fabi, ils n'ont plus besoin de lui, Ils sont tous majeurs, vaccinés, ils ont des familles, des enfants à travail. Il était juste un boulet pour eux. N'importe quoi. C'est pas comment parce qu'ils ont une famille qu'ils vous aiment plus ou que vous comptez pas pour eux. Hein.
Je sais. C'est pour ça que je me suis enfui en cachette. Vous êtes parti sans même un mot ? Si. Mais un mot écrit. Ça n'a pas été facile pour moi. Pardon ? Ils doivent être inquiets. Oui. Oui. C'est nul. J'ai essayé de leur envoyer des lettres. Aussi. Bah, vous avez intérêt. Demain, vous en faites une pendant que j'ai fait manger Silver. Mais c'est ce que j'allais essayer de faire, mais je sais pas. Je suis jamais sorti. Je sais pas c'est où dans les villes comme ici. Eh ben, on trouvera. Moi aussi. Je vous montrerai. Moi aussi, je dois envoyer une lettre à ma famille de toute façon. Je vous montrerai où c'est. Merci. J'envoie aussi des lettres à ma famille pour leur dire comment ça se passe. Ça va, Silver ? Il se passe un cerveau sur les yeux en mode non, rien, c'est. Fait penser Maddie. À mon propre père. Maddie ? Tant qu'on est dans le moment. Et justement, il dit c'est rien, ça me fait penser à mon propre père. Pourquoi ? Il voulait pas non plus que tu partes ? Non. Et il a pas voulu me dire au revoir quand je suis partie. Eh ben, tu lui enverras des lettres aussi. Pou 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 pou. Parce que du coup, c'est complètement le miroir de son fils. Tu l'as fait exprès, Gal, je suis sûr. Mais non, même pas. Rien qui t'a indiqué. Ah oui, ce serait bien qu'il y ait ça. Mais... Non, non, c'est juste mon père, en fait, Le père est extrêmement surprotecteur parce que la mère de mon perso est morte quand il était jeune. Mais nous dis pas tout le background. Et c'est ça. Soit tu nous le dis. Alors soit tu nous le dis en RP, soit tu nous le dis pas. Ah. Un gosse. Je vais pas raconter tout le RP, tout le background de mon perso, moi. Pour moi, elle s'est retrouvée à parler mal aux gens. Qui c'est qui parle mal aux gens ? Bah, le perso de Lucky. Bon, ça va. Mais pas mal, mais direct. Elle mâche pas ses mots. Voilà. Bon, bah demain, on est corvé de lettres. Voilà. Voilà, ouais. Ça va être le cycle infernal. Je vais écrire des lettres. Et vous, Skoula, vous avez une raison pour être parti, mis à part répandre votre parole. Votre oh bah là, parole. Elle bombe le poitrail, genre super fière. Ma tribu m'a choisie pour être la prêtresse de la lutte de la muerte. Prêtresse, rien que ça. Mm-hmm. Et vous n'êtes pas un peu jeune pour ça, normalement. Les prêtres, c'est pas censé être des années et des années. C'est moi qui ai été la plus qualifiée pour aller répandre la bonne parole. Parole, j'en ai plus à rouler l'air, moi. Parole. Je suis fatiguée. Roux. Parole. Ta gueule! Merci. C'était quelqu'un qui chantait en bas, ça. Et tout le monde était très fier et m'a encouragé quand je suis parti. Et c'était quoi la qualification ? Moi j'imagine, c'était celui qui criait le plus fort. C'est une vraie question, c'était quoi les qualifications ? Oui. Elle hausse les épaules. Oh, je suis pour. Écoutez, si Yui que je suis... La mieux placée. Il n'est pas cherché à comprendre. Hein. Alors, des fois, les évaluations, on ne sait pas sur quoi on est évalué, mais on est évalué. Bon, il a arrêté de pleurer, Pépé. Bah oui, ça fait un moment. Ok, bah du coup, elle le relâche. Elle va aller faire un câlin en Silver. Ça va aller? Oui. Ouais. Alors on pourrait peut-être dormir un peu. Un poco. Un poquito.
On a besoin d'être en forme pour demain. Là, tu regardes aussi. Et toi, tu veux un câlin aussi? Pourquoi pas? Bah, elle lui tend une patte. Prends la patte. Je la tire. Je la tire pour l'enlacer, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il faut tout vous apprendre, hein, il y a la pression. Hein. Pas vraiment le temps de socialiser ces dernières années. Mm-hmm. Les livres comme l'autre folle là-bas, qui s'empêche de dormir pour la connaissance. Pas autant. Hein? Vous savez, le monde, c'est pas les livres. Hein. Je sais. Cool. Je suis rempli de bonnes et de mauvaises personnes. Mmh. Mais ça, c'est derrière moi tout ça maintenant. Bon, tu veux en parler? Puisqu'on est dans la soirée des confidences. Une autre fois. D'accord. Bon, elle va les relâcher doucement. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon perso va se recoucher sans rien dire de plus. Et je vais mettre fin à la session ici. Oh non. Ok. Yes. Avancement. Non. Mais attends, je vais fuir tous les Timberwolves, je le mérite. C'est encore elle qui fait le personnage, qui lit le groupe. Bah. Qui est social et tout. Bah, là, techniquement, c'est toi qui relis le groupe aussi. Tu es lié à tout le groupe, indirectement. Mmh. Attends. Pour l'instant, il n'y a pas de lien entre son perso et le mien. Si, c'est juste qu'il l'a pas mentionné. Parce qu'il le sait, il a eu les infos. Mais oui, chut. Il a les infos, mais il ne les connaît pas encore. Mm-hmm. Pareil, si c'est des infos qu'on n'est pas censé savoir, ne le dis pas. Oh, c'est bon, c'est juste un petit spoiler qui mange pas de pain. Du coup, est-ce qu'on a un avancement ou pas? J'ai dit non. D'accord, est-ce qu'on a un avancement ou pas? À l'épisode ici. Vous pouvez dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chez. Au revoir, YouTube. Au revoir, chez.